Bonsoir à tous, chers spectateurs, mes amis, bonsoir pour cette émission 100% NASCAR, encore une fois aujourd'hui, en compagnie aujourd'hui de Paul, qui sera notre invité spécial ce soir. Bonsoir Paul, comment ça va? Bonsoir, vous allez bien? Bah ouais, t'es cool. Bah, encore merci de venir ce soir, t'avais déjà passé quelques fois dans l'émission. Avant et merci pour tous les follow bien sûr hein, via Twitch surtout n'hésitez pas à follow et à nous laisser des commentaires. D'ailleurs toute émission Frascar bien évidemment est interactive via le chat, donc si vous avez des questions pour Paul c'est le moment ou jamais, on sera un plaisir de tous y répondre et je serai accompagné bien sûr de mon acolyte Emmanuel. Et bonsoir à tous et à toutes notre spécialiste IndyCar. Alors comment va se passer cette émission? On va commencer avec bien. Voilà, on va commencer bien déjà. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live, donc on reprend un peu les bonnes habitudes. Donc voilà, et ça fait énormément plaisir de pouvoir reprendre un petit peu avec une super interview avec Paul, puisque tu fais une excellente saison NASCAR Le Nord Series au sein de la RDV Competition. Donc, tu as la Ford numéro 3. Et du coup, bah, comment ça se passe depuis le début de la saison? Comment tu ressens tout ça pour commencer? Franchement, tout se passe à merveille pour l'instant. C'était tout nouveau pour moi. On m'a pas mis dans une zone de confort à changer d'équipe. Du coup, tout était nouveau. Je connaissais pas l'équipe. Je connaissais pas vraiment. On s'était déjà aperçu avec Franck Violas, avec Gabillon. Bon, Ulysse n'était plus là, mais on a eu quelques petits contacts avec RDV, mais on n'avait jamais vraiment parlé sérieusement. C'est des petites blagues qu'on se voyait au resto, que des trucs sympathiques, mais jamais NASCAR. D'accord. Et, du coup, voilà, on s'est embarqué là-dedans suite à un problème d'intersaison. Et on a décidé de partir grâce à Jérôme Galpin. En fait, c'est Jérôme Galpin qui nous a, donc l'organisateur de l'Euro NASCAR, qui nous a fait nous rencontrer avec Franck. Mmh. Et en fait, on est parti un peu sans trop savoir à quoi s'attendre. C'est un super début de saison, j'ai jamais fait ça. Et je me sens super bien dans l'équipe, il y a une confiance énorme qui m'est donnée. On me considère vraiment comme un pilote. Je dis ça parce que par exemple, en fait, je pars de la pit lane, donc je sors de la voiture, je pars rentre dans la voiture, je sors des stands. Et c'est moi qui vais régler la voiture. D'accord. C'est pas un stage tout fait qu'on n'a pas le droit de toucher parce que quelque chose que j'étais plus habitué avant. En fait, là, c'est je pars, on a une base de setup, mais je la mets à ma sauce. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me met extrêmement en confiance parce que j'ai une voiture qui me correspond à 1000%. Du coup, je me sens plus en confiance, donc je peux un peu plus attaquer. Et en fait, c'est un cercle vertueux où ça va de mieux en mieux. D'accord. Bah, c'est cool. C'est bien au moins que tu aies trouvé un bon ressenti parce que, en tout cas, ça se voit hein, dans les résultats. Je rappelle un petit peu. Donc, là, tu es en Euro NASCAR 2 pour la deuxième saison consécutive, c'est ça? C'est ça, exact. Et donc, tu étais à la Speedhouse avant, tu es passé à la RDV Compétition. Tu as fait deux bons résultats en Espagne, tu as fait troisième deux fois. Oui, c'est ça. Tu as fait deuxième et cinquième en Grande-Bretagne, à Brands Hatch. Exact, c'est ça. Du coup, après, quand tu es arrivé. Je ne me souviens même plus de la course où tu as fait une première, mais bon, en Italie, voilà. Oui. Si on va y arriver. En Italie, où tu as gagné sous drapeau jaune, mais c'est bien ça. Mais une victoire quand même. Donc, oui, vraiment pas la manière dont je voulais la gagner, parce que franchement, je suis entièrement convaincu qu'on aurait fait une grande course. Des sensations que j'ai eues dans la voiture, franchement, je sentais que c'était la course pour montrer qu'on allait très. C'est comme ça. Il y a eu énormément d'accidents derrière. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de voitures qui ont fini sur le carreau. Il y a des châssis qui ont été fendus, des barres de sécurité cassées à devoir changer et tout. Franchement, c'était pas drôle à vivre déjà quand on est pour un pilote. On est frustré, bien sûr, de rouler derrière la safety car. Ça a été une horreur cette course. Il y a eu 10 abandons. Il y avait crash sur crash après chaque relance et après on est tous d'accord sur le fait qu'on est là pour voir du spectacle, mais je pense qu'à un moment il faut que la raison elle revienne aussi, faut qu'elle revienne un peu au devant de la scène parce qu'on commence à trop connaître maintenant notre envie d'avoir du spectacle et on sait comment ça finit. Là on a été
On a eu un bon exemple, un exemple avec Dylano Ventoff qui est mort à Spa, justement sur une relance des conditions où on aurait pu peut-être pas le faire. Et voilà, on est beaucoup. Bien sûr, c'est pas du tout la course que je voulais gagner, mais bon, c'est comme ça, il faut pas forcer les choses, finir sous ses pierres, c'est pas ce qu'on veut, mais je peux pas en vouloir à la direction de course. Non, bien sûr. Après, donc tu fais cette première victoire, mais effectivement, comme tu disais, tu avais un excellent feeling puisque tu fais une pole position. Et tu fais deuxième à l'autre course aussi. C'est ça. Est-ce que c'était le grec qui a gagné ou Non, Tiartis, non, ce week-end a été un peu en retrait, c'est Alberto Nasca surtout là, qui s'est montré devant. Ouais. En fait, on fait la course à deux tout le week-end. Ouais, c'est en ça. Fait, vous dominiez vraiment tous les deux. Hein. Mais déjà, franchement, là, du coup, pour tout expliquer, en fait, j'ai aussi, lors de ce week-end, j'ai aussi participé à la manche des pros. Oui, ça, j'ai vu, ouais. Et en fait, pour moi, c'était un truc tout nouveau. Donc, en fait, pour expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, en Euronascar, il y a deux championnats. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de pilotes comparé au nombre de voitures. Donc, en fait, ce qu'ils ont décidé en Euronascar, c'est de créer deux championnats. Donc, il y a un championnat Euronascar 2 qui est plutôt pour les rookies ou les gentlemen drivers. Et le pro, là où il y a les pilotes vraiment aguerris, rapides, qui y vont. Donc, ça fait que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent les jeunes pilotes qui vont en Euronascar 2. Et quand ils ont montré qu'ils savaient gagner, qu'ils savaient rejouer devant en Euronascar 2, ils font le pas en pro, et ils restent en pro. Donc en fait, ça fait pas que l'Euronascar 2 est moins rapide, mais c'est que c'est beaucoup moins homogène. Ouais. En Euronascar 2, en fait, on est 4 à pouvoir jouer pour la victoire. Là où en pro, il y en a 15 qui pourraient gagner. En fait, c'est vraiment là où se fait la différence, parce que quand on regarde mon temps... Par exemple, à Branda, je me fais supprimer ma pole position, mais dans les faits, j'ai la pole position. Donc, je fais la pole position en deux et ça me met quatrième en pro à un dixième et demi de la pole. Donc, en fait, c'est vraiment le niveau devant est à peu près le même. Mais par contre, en fait, je pense que quand je fais mon tour à Branda, le cinquième est à 8-10e ou un truc comme ça. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, donc, en fait, on est en deux, on est quatre à avoir un niveau acceptable, assez compétitif. Et après, derrière, où il y a des petits espaces. Et voilà, et du coup, donc c'était la première fois que je le faisais en pro. Et moi, du coup, pour moi, les pros, c'était le gros championnat, tous les grands pilotes. Il y a des Jimmy Ercoli, des Mark Gossens, des Anthony Kumpen, des grands noms du sport automobile européen. Et en fait, du coup, on m'a lancé là-dedans. Parce que Franck Gabillon n'a pas pu continuer sa saison du fait de budget, un sponsor en fait a arrêté. D'accord. Donc il s'est retrouvé en fait à plus pouvoir continuer. Donc voilà, et en fait on a vu avec mon team manager que ce serait possible que je roule en fait en pro. Donc il nous a un grand merci à lui parce que c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire ça. Et donc en fait on est parti avec l'objectif juste de prendre de l'expérience justement du fait de ces bons pilotes qu'il y a. C'est les pilotes qui ont des 30 ans d'expérience. Franchement, il y a plusieurs pilotes qui ont 30 ans de sport auto. Donc, rouler avec ce genre de pilote, t'en apprends beaucoup et tu comprends que tout ne se fait pas juste dans la vitesse et qu'il y a beaucoup dans l'expérience et dans la gestion de course. Et donc, nous, on partait avec l'objectif de faire une super pole. Donc, ça veut dire être dans les 10 premiers en qualif. Et dans l'objectif de se battre pour le top 7, top 6 pour le mieux. Et en fait, c'est vraiment mon objectif. Moi, je me battais pour ça et tout. Et en fait, je me rends compte que d'avoir eu la voiture que pour moi, en fait, où vraiment c'était que moi dans la voiture, en fait, il y avait des micro-réglages sur le fait qu'on ne pouvait pas faire avec mon coéquipier parce que les micro-sensibilités ne sont pas les mêmes pour chaque pilote. Donc, en fait, on avait une base de setup qui était rapide, mais pour les micro-détails qu'on gagnait un petit dixième, en fait, on ne pouvait pas aller chercher parce qu'on est deux sur la voiture. Ouais. Et là, en fait, d'être tout seul sur la voiture, je me rends compte qu'en fait, la voiture, elle est faite du coup pour moi. Et là, dans les réglages, on peut aller chercher les petits réglages. Et ça fait qu'en course 1 en pro, je me vois finir deuxième, avec le meilleur tour en course. Je me fais déclasser d'une place, je finis troisième. Ouais. Mais dans les faits, en fait, je me bats pour limite la victoire en pro, alors que je croyais ça inconcevable. Ouais. Bah ouais, mais c'est impressionnant. Hein, j'avais noté ça, ouais. Deux bons résultats. Tu as fait troisième et cinquième, je crois.
Oui, c'est Et ça. mais même cinquième, c'est un excellent résultat, sachant que Ouais, bah, c'est très c'est la bien. première participation en pro, quoi. Et cinquième en finissant la course troisième, en fait, dans les faits, mais j'ai encore une fois une pénalité. Ah mince, ouais. Ils t'ont pénalisé pourquoi, du coup? Pourquoi, ouais, pourquoi Pour c'était. l'accrochage au départ, en fait, on est sur les freins et bah, si on est tous happés à freiner au départ. Et si j'ai commencé à bloquer un peu la roue. Je suis allé toucher le pilote devant, ça l'a mis un peu en travers. Après, on est sortis un peu tous les deux ric-rac. Et si tu veux, du coup, à la sortie, on était ric-rac, il est passé un peu dans le gravier, il s'est remis derrière moi. Et du coup, voilà, j'ai été pénalisé, ils m'ont mis 10 secondes pour ça. Et après, voilà, moi, j'étais content parce qu'en fait, je finis troisième. Cette fois-là, cette fois-ci, je me suis quand même pris une sacrée leçon par les deux premiers qui se sont échappés. Impossible à suivre le rythme, franchement, je donnais tout, mais impossible à suivre. Et donc ça m'a vraiment montré qu'il y avait encore beaucoup à aller chercher en progression. Et du coup, bah, moi je suis content. Et à Most, les objectifs sont les mêmes pour le pro. Et en EuroNASCAR 2, vraiment on est là pour jouer le championnat. Donc là, vraiment, on va te voir en pro et en EuroNASCAR 2 tout le reste de la saison, du coup. C'est ça, c'est ce qui est Ah, prévu. c'est cool. Après, on connaît les imprévus, mais pour l'instant, c'est dans les projets. Ok, non mais c'est super en tout cas, et bah, j'espère déjà qu'à Most, ça va bien rouler. T'avais déjà pratiqué à Most, déjà l'an passé, est-ce que tu avais un bon ressenti sur cette piste déjà? C'est une piste que j'adore, franchement. C'est une piste, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on sait déjà comment mettre le virage avant d'y être jamais Ouais. rentré. En fait. Elle a ce truc, en fait, la piste, tout est naturel, ça tourne bien, c'est naturel. Il n'y a pas un truc qui force la voiture à pas le faire. La piste va très vite, il y a des grosses lignes droites, des gros freinages, des virages qui passent très vite. Moi, c'est une piste que j'adore, franchement, c'est. Et une piste à l'ancienne, donc en fait il y a le vibreur et derrière le vibreur c'est de C'est l'herbe. gravier, Ouais, herbe et gravier, donc t'as pas le droit à ouais. l'erreur. Mais ça, c'est des pistes qui mentalement en course sont très gratifiantes quand t'arrives à faire une belle course. Et je t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce que tu as ressenti du coup sur ta première victoire du coup en Italie? Quand Bah. t'es monté sur la première marche du podium pour la première fois, quel effet ça t'a fait? Bah, bien sûr, c'est ma première victoire, donc j'étais forcément content. Les émotions ne sont pas montées de suite parce que bah, tu es dans ta course Ouais, un dans un peu, truc, ouais. dans ton mindset, du coup, tu ressens pas exactement les feelings, mais après, forcément, déçu de la gagner comme ça. Ouais, je C'est comprends. pas. Ouais, bon, après. En fait, la course s'est faite sur le départ, je suis parti deuxième. Donc, sur les faits, j'ai été meilleur quand il fallait être meilleur, mais c'est pas. En fait, la course s'est faite sur un virage, quoi. Ouais, tu disais c'était Nasca qui était très 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 bon sur cette course. Et il Ouais. y avait donc c'est il y a je vais essayer de bien prononcer son nom, Tsurzotis, lui il domine le championnat, il a 4 victoires. Là, est-ce que tu penses que tu serais capable d'aller chercher au Je cherchais, championnat, sachant que quand même les points à Zolder comptent double sur la finale? Est-ce que mathématiquement déjà c'est possible? Ah oui, c'est complètement possible. Une première place, c'est 50 points. Ouais. Ouais, parce que Donc le ouais, il y a. calcul est vite fait. Non, mais après, le championnat va être très très serré. Je pense que on va être. Je pense qu'en finale, on sera trois à pouvoir être champion, peut-être même quatre avec Leinster. Mais ça va être très serré. Pour l'instant, je suis troisième. Et moi, pour l'instant, j'ai la place du roi. Je suis le challenger, celui qui a rien à perdre. Donc pour l'instant, je peux un peu abuser de Ouais, ce du statut, ouais. statut. Et voilà. Mais non, je pense que ça va être une super saison à regarder jusqu'au bout. On va rester très serré. Moi, j'espère. Enfin, je vais bosser pour, dans tous les cas, pour enchaîner les victoires à partir de maintenant pour rattraper le premier et peut-être même me faire une petite avance pour la finale au cas où. Ouais. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif maintenant, c'est d'aller gagner les courses en EuroNASCAR 2. Surtout que là, tu vas en plus être en pro à côté. Ça va t'apporter de l'expérience et ça va te permettre de progresser plus vite, tu penses? Du coup, d'être en Ah pro oui, toutes les complètement. deux. En fait, au lieu d'avoir 1 heure d'essai libre, j'en ai 2 heures. Au lieu d'avoir une qualif, j'en ai deux. Au lieu d'avoir deux Ouais. cours, j'en ai quatre. Quatre, ouais. Donc l'expérience, en fait, je prends l'expérience de 2 ans en une année. Alors, il y a, ouais. Donc en fait, c'est super pour ça. Ça m'embête pour mon coéquipier parce qu'on s'entendait super bien et on bossait bien ensemble. Mais Ouais. après, si je dois avoir Ouais, un point de vue ouais. pour mon développement personnel, il n'y a pas mieux.
Ah bah oui, ça te donne une super Fred, il est bien, opportunité. ouais, parce que c'est clair que Fred, il est bien comme gars. Je connais un peu Ouais, si. Fred, on a passé des moments mais extraordinaires ensemble. C'était Ah, il est vous fandard, connaissez. hein. Ah oui, je connais bien. Je connais les passages, je sais qu'il est fandard. Par contre, il a quel âge? Il a 47 ans au moins, maintenant. 46, 47, Fred. Je sais pas, je sais juste qu'il Je avait crois 30. qu'il est de soi, je crois qu'il est de 76, il me semble. Donc, ouais, il est J'avoue que 47, je crois. Ouais, alors pour ça, il faut qu'il passe le flambeau aussi. Donc, à un moment donné, même si tu as des gars qui roulent à 50 ans, mais je veux dire, c'est vrai que voilà, il est. Je pense que Fred, il est mûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Ouais. l'entente et enfin, le feeling est passé de suite avec Fred. Il m'a mis dans une confiance. Si j'en suis là aussi, c'est clairement grâce à lui et à toute l'équipe. En fait, ils m'ont mis dans un environnement où j'étais à l'aise, où ils m'ont mis dans un environnement où je pouvais poser des questions, où j'avais pas peur de dire une bêtise, où j'ai pas peur de faire une erreur, tout simplement. Et du coup, ça te fait, en fait, quand t'es dans un, comme je suis dans un environnement qui me donne de la confiance, je stresse pas. Je sais que la voiture va être compétente. Je sais que si je fais une bêtise, ils vont essayer de comprendre et on va parler tous ensemble pour en sortir plus fort. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui penche en la balance, des résultats. Bien sûr, et en plus tu as pu profiter effectivement de toute l'expérience de toute l'équipe hein, avec Fred derrière qui t'a sûrement appris plein de choses. Et ça t'a permis de progresser super vite. Mais effectivement, je retiens beaucoup l'aspect du réglage où tu as pu vraiment faire toi-même ton propre ressenti sur la voiture. Et ça aussi, ça t'a fait potentiellement passer un gap Mais là, par sur. exemple, pour vous donner un peu du Ouais. contexte qui se passait en Italie, déjà en Italie, il faisait très chaud, il faisait 40 degrés à l'extérieur, donc dans la voiture, on était à Oh, peu il est près. 50, ouais. Donc quand il fait 72-73 degrés, c'est assez Avant. compliqué de tenir le roulage. Et il y a eu plusieurs gens qui ont limite fait des valises, qui ont vomi. Enfin, franchement, c'était une course éprouvante et des entraînements éprouvants. Et en fait, du coup, on part avec une base que l'équipe connaît parce que ça fait longtemps qu'RDV est dans le championnat. Et en fait, donc je vais rouler, j'ai mes feelings qui remontent, et on fait déjà des petits ajustements pendant la séance de roulage. Par exemple, je vais faire 5 tours, je vais m'acclimater à la voiture, la piste, on s'arrête un peu, on baisse la pression, je repars, et là c'est que pour regarder comment est le réglage. Donc je regarde, par exemple, je vais dire, ouais, bah, dans ce virage, la voiture, elle tourne pas assez. Dans celui-là, sur les freins, l'arrière, il vient trop, je suis obligé de contrebraquer, ça me fait perdre du temps, je peux pas réaccélérer. Et on dit ça, je dis ça à la radio. Franck, le team manager qui est à la radio, il en parle à l'ingénieur. L'ingénieur décrypte, il fait son boulot qui est souvent incompréhensible. Et après, il sort la solution miracle qui fait que ça va me supprimer tous ces problèmes. Il me les met sur la voiture, je repars, je réessaye. Du coup, vu que la voiture est homogénéisement meilleure, je vais pouvoir commencer à avoir des détails plus fins. Et en fait, là, c'est le cercle vertueux où on va gratter des demi-dixièmes. Et en fait, ça se passe comme ça. Donc, je pars, voilà, je pars, je leur donne un feeling, ils me le changent, j'essaye. Si ça ne va pas, ben, on revient comme c'était avant. Et après, on fait ça. Donc, ça, c'est pendant qu'on roule. Après, il y a la fin de la session, donc on s'arrête. Et là, l'ingénieur, lui, il me donne une carte du circuit et Google Maps. Donc, en relief, hein, sans la vision satellite. Donc, il y a juste les lignes. Et en fait, sur chaque virage, je mets comment la voiture est en entrée, milieu, sortie. Ça se fait comme ça. Et lui, après, il déchiffre et il fait les changements. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est hyper efficace, du coup. Après, ça demande à être sûr de ce qu'on dit. Enfin, moi, si je dis une information, il faut que je sois à 100% sûr que Ah oui. elle est vraie. Parce que lui, il va travailler derrière, faut qu'il soit Oui, sûr de là où il va, parce que sinon il va faire un réglage qui. il va Voilà. travailler en fonction de ce qu'il lit. Donc, si je lui écris n'importe quoi, la voiture, elle va faire n'importe quoi. Donc, Là-dessus. ça me responsabilise beaucoup. Ouais, et puis il y a peut-être aussi un lien qui se crée, une habitude de travailler avec ton ingénieur qui va se faire au fil du temps, et du coup vous allez encore plus trouver plus rapidement peut-être les Ouais, mais solutions. là, franchement, on n'a jamais été aussi efficace qu'en Italie, hein. La voiture, en Oui. fait, on a pris 40 minutes à avoir une voiture parfaite, hein. La voiture était parfaite. Après, j'ai enchaîné du roulage avec la même voiture, donc mes repères, ma confiance qui monte. Je commence à tenter deux, trois petits trucs. Ça passe vu que la voiture elle est bien réglée. Et puis voilà. On n'a jamais été aussi efficace. Eh bah, franchement, bravo. Là, va y avoir Amos. Est-ce que tu fais un peu d'air racing pour t'entraîner entre-temps?
iRacing, plus trop en ce moment, mais oui, j'en ai fait beaucoup. Et, après, c'est une piste que je connais beaucoup du réel parce que ça va être la deuxième fois que j'y vais. Façon, elle Et n'y est pas dans les racines, donc non, elle n'y est pas. parfait. Et après, beaucoup de visualisation. Moi, je fais dans mon coin, mais tranquille, je fais ma visualisation, ma prépa mentale, et ça m'aide beaucoup. D'accord. Y aide beaucoup. Beaucoup de prépa mentale aussi. Oui. Après, il y aura la manche en Allemagne, au Schorschleiben. Pareil, c'est un circuit que tu appréhendes comment celui-ci? Celui-là, je le connais un peu des jeux vidéo. Je me rappelle quand j'étais petit, je jouais à Project Cars sur la PS3 et il y était ce Ouais. circuit. Oui, je le connais un peu. Je pense que ça va être une piste qui colle parfaitement à la philosophie de la NASCAR. Et on va s'éclater. C'est une piste qui va être très bien, je pense. Là, je pense que justement, vu que personne n'a aucune info là-dessus, ça va être les équipes les plus efficaces qui vont se montrer Ouais, devant. ouais, ça va être intéressant. c'est Ouais. Ouais. intéressant ouais, parce que t'as pas de base donc. Ouais. Donc là, ça va être que le meilleur gagne, le plus malin, le plus rapide Ouais. sur le truc. Ça va être sympa. En tout cas, c'est clair. Donc la Most, pour ceux qui nous regardent, bien sûr, ça sera dans un mois pile poil, hein, comme tu nous as dit en off. Ça va être le fin août. Donc à suivre sur la chaîne YouTube de la NASCAR Winners Series. En principe, ça va être diffusé. Après, il y aura Oschersleben et la finale de Zolder qui aura lieu mi-octobre. Là-dessus, donc j'essaierai de venir. Ouais. Comme l'année dernière, ouais. Et franchement, ça va être un grand plaisir d'y retourner. C'est un super circuit déjà. C'est un beau, Ah, c'est un circuit de F1, c'est un beau. Ouais, mais sincèrement, il fait peur hein, quand tu roules le. ah bah c'est rapide hein, comme truc, bah, c'est un circuit de F1. Tu fais Et en quoi? c'est. Tu vois, c'est pas tant le fait que ce soit rapide, mais c'est le fait que ils ont eu l'idée, quand même, ce circuit, d'ouvrir les entrées de virage de dégagement. Et plus tu avances dans le virage, Ah plus puis le mur ça se se rapproche. resserre, ouais. Ça se resserre, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un truc où du coup tu es toujours un peu. Bon, je vais. Un peu cul serré en fait, tu sors, mais tu sais que si tu fais une erreur d'1 cm, c'est l'herbe et c'est le mur. Et comme tu es en sortie de virage, tu as des vitesses qui peuvent pas être négligées et ça peut faire très mal. Après, c'est vrai que... Ouais. Et sur les petites chicanes, est-ce que ça c'est dur à prendre ou tu arrives à peu près à te placer pour passer quasiment tout droit sur les petites chicanes de C'est Zolder? compliqué à Zolder, elles sont vraiment fermées les chicanes à Zolder. Le la donc, La type, enfin, là, j'ai plus le mot, j'ai perdu le mot, mais en gros, faut l'aborder avec l'idée de sortir vite. Donc, c'est plutôt être arrêté au milieu de la chicane. On rentre un peu fort, on arrête vraiment la voiture et on se place bien pour pouvoir mettre à fond le plus tôt possible. En fait, ça va être un peu le mindset à avoir quand il va falloir rentrer là-dedans. Et en fait, le temps autour va se faire dans le passage des chicanes. Zolder, c'est hyper, c'est ce qui cadence le tour. Du coup, l'année prochaine, est-ce que tu vas faire de l'Euro NASCAR 2 et pro ou tu vas faire que du pro? Que la pro, ouais. Ah ben alors là pour l'instant c'est grand mystère de ce qu'on fait l'année prochaine. Je pense que je serai quand même en Euro NASCAR l'année prochaine. Et après franchement si je gagne le pro, je pense que ça sert à rien d'y retourner. Donc on fera une saison bien préparée en pro pour être champion, je pense. Ok, et après, est-ce que tu as d'autres idées Ouais, de des poursuite projets de suite ou pas ouais, alors? des poursuites Et projet... on commence à parler dans longtemps, mais c'est sûr qu'on a quelques petites idées. Ouais. On aimerait se pencher vers la Porsche Cup. Je pense que c'est un Ouais. championnat qui donne beaucoup de possibilités à un bon pilote de se démarquer et qui a comme beaucoup de visibilité. Donc c'est un bon mélange pour pouvoir faire un premier pas dans une carrière potentielle, je pense, la Porsche Cup. Oui, c'est homogène en plus donc. Ouais. Et il y a beaucoup de gens influents du sport automobile qui regardent, donc Ouais, ça pourrait faire puis décoller c'est si tu te ouais, fais repérer. et puis en plus c'est diffusé et tout sur Canal Plus. Hein. Ouais, C'est c'est quand ça. même là, ouais, en termes de visibilité, t'es bien avec ça, je pense. Hein. C'est Donc clair c'est que. pour ça. Donc c'est qu'un projet pour l'instant. Après c'est sûr que l'endurance en Europe m'attire extrêmement aussi, mais bon, voilà. Et on parle dans 2 ans et dans le sport automobile, 2 ans c'est énorme. Donc Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Ouais. l'espèce Déjà de l'entre choses. En la un an saison, déjà. va commencer l'autre et on verra. Ah, déjà, Ouais. ouais, sur l'année prochaine, c'est clair que tu vas pouvoir voir ce que tu vas faire. Mais c'est clair que, ouais, une poursuite de carrière en GT, moi, à la base, avant d'être un grand fan de NASCAR, pour ceux qui nous regardent, j'étais un immense fan de GT. T'imagines pas comment. Ah Donc, ouais, si non. tu deviens fan de GT,
Moi, ça me va très bien aussi, hein, t'inquiète pas. Ouais, puis Donc, il y a de la place, ils sont plusieurs par voiture, donc il y a. Bon, Et ce voilà, qui ça est... c'est. Et ce qui est hyper bien avec le GT, c'est qu'il y a les constructeurs directement qui sont là, donc il y a de budgets qui peuvent être donnés aux pilotes. Le problème, en fait, dans les catégories comme la Formule 2, comme là, le. Non, en vrai, ça marche pas, mais en fait, il y a beaucoup, c'est des équipes, en fait. Quand on voit Prema, quand on voit Arc C'est Grand Prix, privé, en hein, fait. tout ça. Bah, c'est des privés clients, tout ça. Donc, Ouais. Et donc, en fait, tu peux. Même s'ils ont la volonté d'aider un pilote, ils peuvent pas lui faire gratuitement parce que sinon ça veut dire que leur équipe pourrait plus tourner. Alors que quand tu vas ça, ils avoir une payent tout. constructeur, c'est son image de marque. Donc il faut qu'il investisse là-dedans. Donc il investit dans des pilotes pour Et puis montrer c'est que leur. leur argent. Donc là, non, en Formule Oui, 2, voilà. bah, oui, c'est Dallara qui fait les voitures. Donc, si tu veux, c'est pas tes clients, de toute façon. Donc, que tu sois chez Art ou chez qui tu veux. Donc c'est ça. Donc c'est ce. C'est cette différence qui peut permettre aussi d'avoir une carrière dans le sport automobile. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et il faudra pas prendre les choix à la légère. Et bon, ça, on va essayer de bien faire avec mon père. Ça se passe comment, tiens, l'ambiance quand tu recroises Speedhouse sur les circuits, ça, vous parlez un peu, vous dites bonjour, Ah là, là, tu je touches un point sensible là. sais Non, pas. Ben, c'est. je vois, parce que c'est. Ça Non, arrive c'est. souvent, c'est dans ce auto, Ah tu ouais. croises tes anciens équipiers, tu croises tes anciens patrons. Ouais, mais c'est pas comme je l'aurais pensé. Ouais, J'ai bon. peut-être été un peu naïf, mais non, du Ça coup, non, arrive. il n'y a plus du tout de relation. Non, ça c'est Ouais, fini. Ça se c'est clair. regarde plus, ça veut plus dire bonjour. Bon, c'est pas comme ça que j'imaginais notre relation avant, mais bon, bah, c'est comme ça, faut faire avec. Oh Oh, bah bien sûr, écoute, oui, après. c'est comme ça que ça se passe, tu sais, c'est pas. Vous avancez chacun de votre côté, Ouais, puis c'est ça. Bon, voilà, faut tourner la page. Faut mais tourner la après, page. y a, parmi les pilotes Speedhouse, y a des pilotes où tu as gardé contact quand même. Ah oui, potentiellement dans les pilotes, il n'y a pas de souci. J'ai gardé de super bons contacts avec ceux qui étaient là l'année dernière. Les nouveaux, bien sûr, je ne les connais pas, donc je ne peux pas trop avoir de contacts parce que bah, je ne vais pas dîner avec eux. Donc, Oui, c'est possible. non, avec Néo Lambert, on s'entend super bien. Ouais, je Quintal, on se crois. court. Il y a qui d'autre? Florent Richard qui est nouveau, mais ça c'est un copain d'avant, donc on se voit toujours. Et non, entre les pilotes, ça y a zéro, y a pas. D'ailleurs, j'ai une petite question. Il y a un truc que j'ai remarqué, j'ai découvert ça quand j'étais en train de préparer ton interview. J'ai remarqué qu'il y avait aussi un autre pilote français qui était là, qui monte un petit peu, c'est Thomas Dobrovolski. Ah, Dombrovski, ouais, il est sympa. Ouais. Il attire mon attention parce que je vois que il a fait un peu de cartes avant, je crois, face à Théo C'est Pourchaire. ça, il m'en a parlé. Ouais, mais du coup, entre Français, on se regroupe assez facilement parce qu'il y a beaucoup d'Italiens et d'Allemands, donc c'est compliqué à Ouais. Et non, ouais, du coup, Thomas, ouais, c'est sympa. Et pour sa première saison, c'est pas mal. Parce qu'il est best rookie pour l'instant Pour de l'instant, l'Euro premier NASCAR 2. round. À voir comment ça évolue, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir ton ressenti, savoir si tu le connaissais déjà ou pas. Ah Mais oui, bah, c'est on se un nouveau parle. visage français. Mais tu vois, en fait, quand j'arrive le vendredi, le jeudi après-midi sur le circuit, on passe l'après-midi ensemble, tu vois, on rigole, on discute. Et après, bon, bien sûr, on est chacun dans notre week-end de course, mais dès qu'on se croise, on se dit bonjour, on papote 30 secondes, et après, ben, on part dans notre Ah, donc pour ceux qui nous regardent, hein, c'est un pilote français qui est dans la voiture 66 du team Blikkmolen, qui est un Ouais, team c'est. néerlandais. Et Blikkmolen, en fait, c'est un ancien pilote de F1 qui a fait des apparitions en 78 et 19 en Formule 1. Et Il qui roule a. toujours. Ouais, il roule toujours. Ouais. Ouais, il est en pro, je crois. Il fait des plus en pro, non? Non, en Euro NASCAR 2, il est. Il est en Ah 2? ouais. Ok. C'est Et pas. comment il s'appelle? Michael, je crois. Michael, ouais, Michael Blackmolin, ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, c'est pareil, c'est un vieux lui. Ouais. Mais Ouais, mais je crois qu'il est 60, presque. ah, ça conserve. Hein. Mais ouais, l'expérience en F1, comme quoi, on ne croirait pas. Hein, mais ouais, c'est intéressant. Hein, aussi, il y avait une question. Alors, je sais pas si tu as des infos là-dessus. Tu avais participé l'année dernière à la NASCAR D-Box Ouais. International Series. Assez, Est-ce que tu as des infos sur si ça reprend, parce que c'était sur cette période-là, c'était sur la rentrée septembre-octobre, je crois. Est-ce que si ça se présente, tu vas reparticiper ou pas, du coup?
Ben, après, franchement, nous, on est souvent mis au courant le samedi pour le lundi, qu'il y a une course, Ouais, un championnat. c'est bien Donc, ça. non, on n'a pas d'informations, mais c'est très bien possible que dans 2 jours, je reçoive un mail me demandant si je veux participer. Mais oui, non, mais par contre, c'est sûr que, par contre, s'il y a un championnat, je le ferai. Parce que on rappelle, hein, tu avais gagné à Zolder, mais en semi, face à du lourd, et tu avais bien dominé la course, donc ça, c'était assez impressionnant. Donc, tu as ça aussi à ton palmarès, mine de rien, faut le compter aussi, hein, parce que gagner Avec une en. belle course aussi avec Triton à Ouais. Canadian Tire. Ouais. Alors, On le Triton, oui, connaît, on le connaît aussi. on lui parle un petit peu de temps en temps, mais c'est vrai que bah, tu avais participé aussi au Frascar Clash, qui est Lâche, une oui. épreuve qu'on organise. L'épreuve reine. Attends, Voilà. de la Ouais. saison. Un peu en mode détente et pour que tout le monde Ouais, s'amuse mais avec tout un. le monde joue à fond et tu vois, Et. Ouais. ça déconne que jusqu'à un drapeau vert, quoi. Après, c'est. C'est ça. Après, ça rigole Non, mais plus, c'est mais. vrai. Après, ça rigole plus du Mais tout, après. ce qui m'a fait rigoler, c'est parce que moi, je m'entends super bien avec Kigan aussi. Et Kigan, il me disait, Ouais, bah, c'est assez marrant parce que moi qui avais fait la course, par exemple, de Coca-Cola Series, où lui, c'est son championnat officiel, tu vois, comme toi, c'est la ouais. NASCAR World Enduro Series, il disait, bah, aller sur une course, justement, où il n'y a pas d'enjeu, où tu peux y aller vraiment en détente et profiter et partager ton expérience avec des pilotes amateurs. Tu vois, cet échange, il avait trouvé ça vraiment sympa. Donc, sur la prochaine étape, nous, on va en refaire une sur le début de l'année. Ça sera Homestead Miami. Ok. Pour rouler un peu plus, ouais, effectivement. Donc si voilà, si tu as envie de la chasse aux moustiques, ça commence, hein. Ouais. Ah, surtout dans l'œil, ouais, c'est. En tout cas, voilà, je t'enverrai une invitation et effectivement Triton aussi pour bah, essayer de même d'autres pilotes de NASCAR Winner Series Series français, si ça les intéresse, ils font du sim et tout, ça pourrait être super sympa de tous les Ouais. retrouver, et vous puissiez vous batailler un peu, ça va être super Ouais, à je peux. regarder. Ouais, et voilà. Bon, en tout cas, Paul, encore merci Ah bah de rien. d'être Merci à venu, toi, franchement, ouais. de nous partager ton expérience de l'Euro NASCAR, parce que tu as une très belle progression. Et on souhaite que ça continue, que tu continues vraiment à là sur que tu fasses de belles épreuves et surtout à Zolder, parce que bah, on rappelle, hein, c'est double des points. Vous pouvez Ouais, faire quoi toute la que, ouais, différence c'est cruel sur. pour ça. Ah ben, bah, t'en gagnes, Ouais, oui, ben bah, là, t'en gagnes, ne lui fait rien. Ça y est. ben bah, en fait les 5 premières manches du championnat servent à rester en lice pour le championnat, en Ouais, c'est fait. Ça ça, hein, parce que. ouais. Non, c'est énorme. Ouais, c'est. Mais Ouais, c'est par énorme. exemple, l'année dernière, Alberto Nasca a été dominant toute l'année. Il a été premier au championnat, tout le championnat. Et arrivé à la finale, il a 15 points d'avance. Il perd Ouais, c'est avec. fait baiser. Il perd Vraiment. complètement son championnat sur la finale, en fait. Alors que c'est lui Ouais. qui a été le pilote le plus dominant de l'année. Mais bon, c'est comme Ouais. ça. Ouais. Bah, c'est la philosophie de la C'est la NASCAR, justement. NASCAR, hein, de toute façon. Donc, Ouais, ouais, c'est les c'est. playoffs. Après, qu'il n'y ait pas deux courses de playoffs, hein, tu sais, qu'il n'y ait pas plus de. Ouais, c'est vrai que. Après, c'est le concept, hein, c'est comme C'est pour ça. tenir en haleine le. Ouais. Ouais. C'est Donc, clair. ouais, après, sur le nombre d'épreuves, il y en a quand même pas mal. On est sur les 5 ou 6 circuits quand même. Hein. Oui. 6 au total, 6 épreuves. Ouais, il y a 12 épreuves, donc. Doublé à chaque fois. Et ouais, là, en plus, tu vas être dans les deux, pro et deux. Et deux, EuroNASCAR 2. Donc, c'est clair que tu vas pouvoir emmagasiner de l'expérience. Et après, on verra l'année prochaine si ça se poursuit et comment ça évolue. Mais encore merci d'être passé en tout cas. Merci à toi, vraiment, merci beaucoup. Et on se Et retrouve bah, très bientôt puis sur. bientôt pour le titre, ouais, c'est bien, Ouais, ça c'est serait. sympa. Voir un Français titré, ça serait Parce sympa. que Je crois que le dernier ça qui fait a eu. longtemps. Il n'y a Ah pas eu oui. Fred? Fred, non, il a jamais été champion. Ah non, oui, il était vice, ouais, non, il était vice-champion. C'est Ulysse Ouais. l'année, ouais. Ouais, lui, Ulysse 2018. en Euro 2018. National. Ouais, Ouais. donc ça fait 5 ans. Là, faut faire bouger un peu Ouais. les autres pilotes pour aller chercher le drapeau français, la Marseillaise. Ça serait top. Bon. Bah, merci à toi depuis chez toi. Et Merci, et puis à bientôt, hein. Courage, hein. bonsoir. Je salue aussi ta famille, hein, Frédéric et tout. Ouais, bonjour à vous. Bah, du coup, bonne continuation et on se dit à très bonne co course pour toi pour la suite. Merci beaucoup. Merci à Et toi, à courage. très bientôt, à plus. Ciao. Eh bien, c'était une bonne émission. Oh, c'était On cool. fait une petite interview, on fait une petite pause 2 secondes, Ouais, on se met en vas-y. off et puis Attends, j'allume la lumière. Ah non, je et vois plus puis rien. on se Oh, retrouve mais tout de suite, ah. le temps dans quelques secondes. À tout de suite les amis, on revient tout de suite.
Et nous revoici, c'était rapide. Eh bien, encore merci à Paul, hein, parce que c'est super. Ouais, super. Vraiment, c'est un très bon gars. Et toujours très extrêmement et... super de l'avoir sur la chaîne. Ouais. Qu'il nous puisse vraiment nous partager son expérience de la NASCAR Rally Enduro Series, ça fait énormément plaisir. Merci à tous hein, dans le chat de votre présence. Alors maintenant, le programme, c'est quoi? C'est qu'on va débriefer de l'épreuve de Pocono en Cup Series surtout en ce qui concerne la NASCAR Rally Enduro Series, surtout on reste connecté bien évidemment, on fait le point sur toutes les divisions de la NASCAR. Donc quand il y aura l'épreuve de Most, bien évidemment on sera si on fait un live, on sera au rendez-vous, on vous fera le débrief. Et on suivra avec une énorme attention, bien évidemment, Paul, dans sa progression. Et toutes les autres pilotes français, bien évidemment, en lice. Hein, parce qu'il y a des beaux pilotes, comme j'ai expliqué. Hein, Paul en a mentionné plusieurs. Il a mentionné Néo Lambert. Il a mentionné aussi Ulysse Delso, qui est toujours là, qui est en pro, qu'on salue et qu'on soutient aussi. Donc nous, on est vraiment... pour la Marseillaise sur les podiums et sur la fin d'un championnat, et Paul est super bien parti là-dedans, donc on lui souhaite le meilleur, c'est clair. Et oui, comme le dit Nicolas Duberne, le clash et la Ligue IS, effectivement. Vous avez vu, j'ai eu un petit intermède, donc sur les templates des prochains rendez-vous, j'y reviendrai à la fin de cette émission, et avec Emmanuel, on va débriefer tranquillement de Pocono. Ouais. Dit, les gars. Alors. Bah, écoute, ouais. Qu'est-ce que bah du coup, alors je termine juste en aparté. Du coup, cette émission, bien sûr, cette interview sera disponible en replay. Cette émission, je la mettrai en replay sur YouTube, la chaîne du YouTube du Frasca. Donc vous pourrez la regarder, reprendre à tête reposée cette interview et puis switcher entre le débrief et l'interview, bien évidemment. Ouais. Alors l'épreuve de Pocono a eu lieu le week-end dernier avec une victoire de Denny Hamlin. Victoire assez j'allais pas dire controversée, mais presque. Un peu à la Attila, quoi. Mais c'est typiquement le genre de piste sur laquelle il va gagner, Amin. C'est des circuits très techniques. Enfin, on dit atypique, mais en NASCAR, tout ce qui n'est pas un mal et demi est atypique, de toute façon. Donc, ouais, non, c'est clairement pour lui, ça, c'est... Tu vois, Amin, de toute façon, faut vous donner une astuce de fantasy. Dès que c'est un circuit plat, Hamlin va gagner. Le New Hampshire, Martinsville, Pocono. Dès que c'est des circuits sans banking, Hamlin est toujours là. Donc, tu vois, c'est pas... Il est multiple vainqueur à Martinsville, à Loudon. Enfin, c'est sa piste. Enfin, c'est des pistes pour lui. Donc, je suis pas... Voilà, de le voir à l'aise, c'est pas étonnant. C'est même plutôt habituel, d'ailleurs. Après, bon, la manière... Bon, bah... C'est la NASCAR d'aujourd'hui, c'est la revanche de la revanche de la revanche. T'en as toujours un qui, surtout quand tu t'appelles Hamlin ou Kyle Busch, t'as toujours un vieux litige qui traîne. Il y a 4 ans, rappelle-toi, tu m'as fait ça. Ouais. Et donc je t'en remets une, et puis toi aussi, et puis voilà quoi. On va regarder tout ça de toute façon. Alors comment ça se passait? On va faire un petit, on va illustrer tout ça bien évidemment. On va revoir ensemble un peu les highlights de la course, donc c'est-à-dire le résumé, et puis on va commenter tout ça. Et aussi, si on a un peu de temps, on regardera aussi les interviews qu'on va vous commenter des pilotes d'après-course pour décortiquer tout ça et vous dire un peu ce que ça a dit suite au micro, parce qu'il y avait eu 2-3 mécontentements, mine de rien, sur les différentes interviews d'après-course, bien évidemment. Il y avait eu Austin Dillon, Kyle Larson... Donc ça a pas trop rigolé sur la fin de course, hein. Le seul qui a rigolé c'était Denny Hamlin. Donc voilà, et puis je vais vous partager tout ça. Qui se serait embrouillé méchamment s'il était concerné aussi de toute façon. Je vais vous montrer. Tac. Hop. On va regarder tout ça, c'est parti. Alors du coup on y va. Normalement, vous n'avez pas le son du bureau, donc vous n'entendrez pas. Donc, s'il y avait un truc que je vous le dirais. On a eu le beau Starter Engine, bien évidemment, avec Kevin Harvick, qui a fait une excellente course, d'ailleurs. Et là, on voit l'écran, voilà, on a pu voir l'arrivée passer, Harvick. Certains attendaient beaucoup Harvick sur cette course. Je vous laisse dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que certains ont vraiment pensé qu'Harvick allait gagner. Ouais, il me paraissait un peu court, quand même. Enfin, je... On va voir les stats, hein, mais pas eu grand chose. Donc, Pocono, on rappelle, un circuit situé à Long Pond, même nous on y est,
On l'a fait, hein, sur Reste un peu, on l'a fait la première fois qu'on se Ouais. met. Les Poconos étant les montagnes à côté, n'est-ce pas? Bien sûr, les Appalaches, pour la petite Ouais, carte les postale. Poconos, tout à fait. Les Appalaches, donc, est une chaîne de montagnes qui sépare en fait la plaine est des États-Unis On... avec le reste, puisqu'il y a tout le reste des États-Unis à faire dessous. Alors. Mais voilà, donc c'est à Langpond. Il faut savoir que Pocono, c'est dans la ruralité la plus totale. C'est même pas dans une commune. C'est même pas considéré comme une commune. C'est dans un Regarde le plan lieu. large, tu vois, C'est le dans plan un large, lieu. c'est la forêt. Voilà, c'est ça. C'est assez rural. Alors Byron qui fait la pole position. Il fait une très bonne saison, Byron, 4 victoires jusqu'à maintenant. Oh bah, de toute façon, c'est le leader de l'équipe aujourd'hui, Byron, de toute façon. Donc, en termes de résultats et de constance, oui. Tu me diras, ses équipiers se sont tous pétés ou ne sont pas en forme, mais c'est pas le. Ce que je veux dire, c'est que Chase Elliott, il était absent. Du coup, il revient. Il est revenu un peu pour cette course. Mais on... Alors, il revient vraiment. Il est vraiment revenu à cette course. Hein. J'ai un Mais petit doute. Ouais, mais est-ce qu'il était revenu avant la course d'avant? Ou oh, il je était. crois pas, non, il était pas là Non, la il course était. Non, d'avant. c'était vraiment à cette course-là qu'il est revenu. Et on va Ouais. voir si il est saignant ou pas, mais là sur la course de Pocono, je pense qu'il Ah aura fait encore un peu ses bah, marques, mais. de toute façon, je veux dire, être saignant, c'est pas un choix qu'il a, c'est une obligation. Donc, Elliott, s'il veut faire les playoffs, de toute façon, il va falloir aller en gagner une, hein. Ouais. Parce que il est trop loin. Donc, c'est déjà une vraie chance qu'ils aient accepté ça, de lui donner un joker médical pour un accident domestique, à savoir s'être éclaté la tronche en snowboard. Normalement, le joker médical, il est là quand tu as un accident en course. Que, voilà, quand tu écailles bouche et t'es cassé les deux jambes à Daytona, c'était en course. Donc ouais, ou Bowman quand il avait la commotion, c'est voilà, c'est la NASCAR qui dédommage entre guillemets ses pilotes. Voilà, là Chase Elliott, il est tombé en ski. Bon bah, c'est pas très logique qu'il ait droit à un joker, ils l'ont donné. Bon, maintenant c'est à lui de faire le job. Donc il n'y a pas de choix. Ouais, je regarde un peu vos commentaires. Alors, il y a complètement con qui nous a rejoint. C'est Alors, qui est donc complètement con? le pseudo que j'adore le plus de toute façon. Ouais, d'accord, mais qui est-ce donc? Qui est donc? C'est vrai qu'on aimerait bien savoir son prénom. Mais oui, hormis faire une closer, Harvick n'a pas ce qu'il faut pour remporter une victoire. Alors, peut-être Non, cette saison, mais il est si, trop il sait court. gagner. Ah Il ben sait ça, il s'est gagner. gagné. Il est champion depuis. Il est champion il y a 8 ans, il y a 9 ans. C'est Harvick. Mais là, ouais, sur la course de Pocono, il va te chercher le. S'il peut la chercher, c'est vraiment à la fin. Hein. Mais bon, tu sais, Harvick, mine de rien, ce qui est embêtant, c'est que Stewart Haas, donc là, il se retire. Il part en retraite, il coule l'équipe. Hein. Parce que Ah quand tu ben. vois au classement général, le Almirola, qui est deuxième de l'équipe, ce qui est vraiment ironique parce que Almirola a été viré à la base, il est 25e du classement, quoi. 25e! Ensuite, tu as Ryan Preece qui est 27e et tu as Chase Briscoe qui est 35e, je crois. Ouais, non, mais là, c'est. Mais c'est n'importe quoi. Et tu as Harvick qui est 8e. Voilà. Écoute, donc, et il se casse. Donc, bah, C'est il le se seul. casse. C'est comme l'année dernière, c'est la même tendance qu'on observe de l'année dernière. C'est Harvick qui est tout seul, il tient l'équipe à lui tout Oui, tout seul, il met seul, toutes les forcément. ressources peut-être aussi dans Harvick. Hein. Bah, de toute façon, tu n'as pas le choix. Et encore, l'an dernier, tu avais dans les playoffs, tu avais Briscoe. Là, tu l'auras même pas. Parce qu'à moins de gagner l'Indy Road. Mais bon, l'Indy Road, enfin, tu démarres de tellement loin avec cette voiture que faudrait qu'il pleuve, qu'il y ait du crash, que comme, ben, tiens, comme quand il a failli gagner il y a 2 ans. Sur un coup de Jarnac à la fin, là, ouais, pourquoi pas. Mais non, mais là, non, mais là je vois pas comment il peut se qualifier. C'est pas. D'ailleurs, c'est ce que disait Philippe Chéreau de manière très juste à l'antenne. C'est que de l'an dernier, il y a quand même 6 pilotes qui étaient dans les playoffs il y a un an, qui là n'y sont pas. Tu vois, les Suarez, les Briscoe, les Bah, ils ont bien profité Cindric. du nouveau souffle de la next-gen, en fait. Bien Tous, sûr. la Trackhouse, etc. Suarez a gagné sur routier d'une très bonne manière. Mais Ouais. là, maintenant que tout le monde se remet un peu au niveau, bah déjà, ça rigole beaucoup moins. Ah, ça rigole moins. Là, tu vois, là, c'est les gros qui reviennent là. Et puis surtout, ce qui est très drôle, c'est que quand tu vois des pilotes one-shotters comme Van Gisbergen qui viennent là, qui te mettent la pige et qui piquent des points à tous ceux qui pourraient en prendre, c'est quand même énorme.
Victoire Mais ça, impressionnante, hein. c'est. Ah bah oui, non, mais ça fait partie du folklore de la Next Gen. Le fait d'inviter comme ça des pilotes extérieurs, c'est parfait, quoi. C'est vraiment, c'est ce qui manquait à la NASCAR, hein. Bah ouais, et Cet puis. univers clos, tu sais que tu. Bah, ils ont testé l'année dernière, il y avait, enfin, il y avait Raikkonen, il y Et avait oui, tout il y avait ça. Kimi, Kiat aussi, ouais, mais tu C'était. vois vraiment, là, le niveau qu'il y a, quand tu vois Button avec la voiture de chez Rick Ware, à Chicago, il est dans le top 10 à la régulière quand il se fait sortir. Je peux te dire que le bonhomme met lui entre les mains une voiture aussi bonne que la 91, Il gagne. et lui aussi, il joue la gagne. Ouais. Il joue la gagne. Vraiment, c'est moi, ça, j'y crois, hein. Non, bien sûr. Pour Et ça que. alors, ce qu'on voyait à l'écran, c'était la fin du stage 1. Donc, c'était Logano qui l'a remporté, mais il se fait sortir direct. Hein. Et pareil, les déconvenues de Suarez, qui fait malheureusement pour lui, hein, je l'apprécie beaucoup ce pilote, et qui fait une mauvaise saison. Est-ce qu'il n'était pas en sur-régime aussi l'an dernier? Ouais, je sais pas. Quand tu vois ce qu'il a fait, la forme d'aujourd'hui, waouh, Suarez, voilà. Après, ce qui est marrant, c'est que chez Trackhouse, t'es quand même que. T'as quand même un mec qui vient en gagner une, quoi. Van Gisbergen, il vient gagner une course pour l'équipe, alors qu'il est même pas dans la, qu'il est même pas engagé. Alors, je vais reprendre Mais. mes notes pour hop. Je vais reprendre mes notes. Je sais pas si non, vous les voyez pas à l'antenne. Je vais juste vérifier un truc. Mais globalement, ouais, ce que j'avais noté, c'était que pour le comparer Suarez avec son coéquipier Oui, avec Chastain, ouais. Chastain, où est-ce que son. J'ai pris Bon, tellement de qui notes. lui aussi, Chastain, c'est pareil, il ne fait pas non plus une grande saison, hein. Je veux dire, il est bien, mais c'est par rapport à ce qu'il a montré l'an dernier, on n'est quand même pas dans le même tempo, hein. Donc, je Voilà. crois que la Trackhouse a du mal, hein. En fait, voilà ce que j'avais noté, c'était que Suarez, il fait une contre-performance, donc malheureusement, il n'a que deux. Je vais remettre en plein écran, pas vous gêner, mais hop. Il fait que il n'y a que deux top 5 cette saison et 6 top 10. Il termine la saison avec sa première victoire en Cup et 6 top 5. Donc déjà, en fait, il n'a que deux top 5 par rapport à 6 l'an passé. Son coéquipier Roche Chastain, qui fait une saison extraordinaire l'an dernier. Il a deux victoires à 15 top 5, quand son coéquipier, il n'en a que 6, 21 top 10. Et là, cette année, et en plus, Roche Chastain, ni plus. On se souvient tous de son wall ride aussi, donc Ouais, amortisé là, ouais. on va dire que commercialement, il a fait la meilleure saison peut-être de sa carrière. Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'est pas champion parce que je pense, voilà, il avait pas le niveau pour l'être, mais je veux dire, ça aurait été l'année ou jamais. La femme, enfin, non, enfin jamais, on ne sait pas, il n'est pas vu non plus, Chastain, mais c'est vrai que Non, il à est pas ce vu, jour, hein, mais. aujourd'hui, en tout cas, la Trackhouse n'a plus la voiture. Ça, c'est, faut bien le dire. Ils ont pas la voiture qu'ils avaient il y a un an. Donc, alors après, voilà, Chastain a quand même gagné cette année, hein. Ouais, il a Il a une gagné, victoire. il a 6 top 5. Bon, c'est pas. Il est quand même à la régulière devant les deux Penske. Enfin. Non, c'est ça que tu vois que par rapport à Suarez, regarde, il a déjà 6 top 5, on est en cours de saison. C'est Suarez a 2 top 5, quoi. la meilleure saison qu'a fait Suarez l'an dernier, 6 top 5. Ouais, bien Donc sûr. tu vois quand Je même te qu'il y dis, a une moi, différence Suarez, de. après, Suarez, on ne pourra jamais lui reprocher d'avoir plus ou moins monté l'équipe. C'est une équipe qui était faite pour lui à la base. C'est lui qui finance, tu sais. Les Mexicains, ils ont un avantage, hein, sur pas mal de monde. Enfin, c'est qu'ils ont un multimilliardaire dans le pays qui aime le sport auto et qui dit, tiens, si je mettais pas des Mexicains à haut niveau, c'est quand même Carlos Slim, c'est le patron d'un opérateur téléphonique là-bas, qui est milliardaire. C'est lui qui met Checo Pérez en F1 et c'est lui qui met Suarez en NASCAR. Et c'est quand même deux pilotes qui ont gagné des courses. Et qui aujourd'hui, même si les deux, d'ailleurs que ce soit Pérez ou Suarez, sont en difficulté aujourd'hui dans leur discipline, mais n'empêche que quand tu vois ce qu'ils ont accompli avant, sachant que c'est des mecs qui n'avaient pas un rond, qu'on a été chercher au Mexique dans des séries inférieures et qu'on a propulsé devant, ouais, c'est vrai que Suarez, tu sais, je pense qu'il fait son job, hein, malgré tout, hein, donc c'est pas un mec que Bon. j'apprécie beaucoup, mais bon, pff, écoute.
Il manque un peu de chance quand même hein, sur Ouais, cette qu'on voit. Hein. j'allais y venir. Il est quand même souvent dans des crashs. Suarez, alors l'an dernier justement, il avait été un peu épargné par tout ça. Ça l'a fait faire une bonne saison. Mais tu vois là, il est quand même souvent pris quoi. Ouais. Après bon, puis vous dire aussi qu'il a un caractère assez compliqué également. Mais Non, après, ça va. Je veux dire, il lui manque un petit truc, tu vois. bah, il manque un C'est. truc. Bah, il lui manque le talent naturel qu'il n'a pas, quoi. C'est tout. C'est quelqu'un qui n'est pas mauvais, mais qui n'a pas. Voilà, qui est arrivé, qui a monté. Mais c'est ce qui manque, tu vois, à Paul, qu'on avait tout à l'heure en interview. C'est d'avoir un grand mécène qui lui paye Ouais. tout. Oui, c'est pas le meilleur pilote du monde, non. Après, voilà, écoute, il fait son truc, il est champion d'Xfinity. Il a une victoire en Cup. Oui, ça passe. Après, tant que l'équipe ne monte pas en gamme. Et c'est bien le problème tout à l'heure quand on parlera peut-être de Kyle Busch, hein, de la RCR, c'est que tu te retrouves avec un Austin Dillon qui plafonne grave, quoi. Et grave, alors qu'en face de lui, il a un lion, quoi. Et Ouais, qui n'est pas on a avant. une grosse différence de Ah bah level, oui, organisation. Tout le c'est. monde le voit bien, hein, entre Kyle Busch et Austin Ah Dillon. bah, pour ceux qui suivent la F1, c'est ce qui se passe chez Aston Martin. T'as Alonso d'un côté et puis Lance Stroll. Bah, c'est pareil, c'est le même profil, c'est le fils du patron. Enfin, petit-fils du patron face à un double champion. Voilà, le mec, il a du mal à exister. Du coup, il se met à exister en balançant son casque sur la tronche de. Bon, bref, c'est compliqué pour lui, hein. Ouais, après Dillon c'est compliqué donc Larson on vient de voir hein, qui remporte le deuxième stage bon ça lui fait des bons points bien sûr sous drapeau jaune et là on va revoir du coup le restart à 7 tours de la fin donc en fait là ils ont vraiment fait un saut j'ai l'impression hein, dans la course. Highlights, ouais, vas-y, parce qu'on peut y aller, Et c'est rigolo. on va revoir du coup effectivement cette fin de Le course. move. Alors je vais remettre, hein. On va remettre vite fait. Que je vais t'expliquer par rapport aux trajectoires de Ah mais attends, Poconos, déjà moi, je vais dire ce que moi je d'ailleurs. note, et tu vas voir. Donc là, Ouais. Hamlin, Devant. déjà, il est bon, il est à l'intérieur. Il Moi, je sourit, soupçonne regarde. Hamlin. Ouais, mais tu dis qu'il souvient. Moi, je pense qu'il souvient pas tant que ça. Il va laisser sa voiture remonter Alors, volontairement. il l'a fait tourner. Là, effectivement, là, arrête-toi là. Là, effectivement, la voiture, là, il l'a fait tourner. Et là, en effet, il remonte. C'est bizarre. Parce que, ouais, normalement, tu vois, à ce passage. Ça, c'est Ouais, volontaire. Il aurait pu très bien c'est garder sa volontaire. ligne et beaucoup plus Parce bas. qu'à ce moment du virage, t'es sorti là. D'ailleurs, ça aurait été un peu plus tôt. Tu te dis, tiens, là où tu vois la voiture verte, je sais plus qui c'est la voiture verte à droite, là, c'est. Bex. Là, il aurait été au niveau de Truex, oui, tu te dis, il souvient. À l'endroit où il tourne, je peux t'assurer que pour avoir roulé à Pocono aussi, je peux t'assurer qu'il sortait du virage sans avoir à sans se virer, c'est pas possible. Justin Haley aussi, hein, là on voit avec le crash de Justin Haley. Justin Haley, on le rappelle, il a eu l'info là, il a signé à la Rick Ware pour la prochaine année. Wow, grand choix, un choix sportif. Parce que pas de budget pour la colligue en fait, hein. Ah non, mais après voilà, pas de budget, écoute, il fait ce qu'il peut. Il va rester en cup. Après, Rick Ware, t'es pas à l'abri d'une surprise. Rick Ware, ça peut trouver quelque chose, ça peut trouver un partenariat Ouais, avec mais l'équipe. Et puis. on voit au ralenti le contact. Ouais, le contact, il est. Ouais, je pense qu'il enroule quand même le truc. Ouais. Il cherche pas à l'éviter, quoi. Surtout que Ça, quand tu revois le contact de l'année passée, en fait, tu as c'est. l'impression qu'il regarde. Tu sais, il regarde pour se rapprocher et voir son adversaire pour bien l'embêter, tu vois, et bien le serrer. Et en fait, il refait exactement la même technique à Larson. Peu importe ce aurait été qui à côté de lui, il aurait fait la même Non, technique. c'est pareil, c'est Il parce qu'il aurait veut gagner. serré. Parce que, en fait, il veut casser l'élan de la voiture d'à côté, ce qui a marché. Hein. Larson, il perd X positions, etc. Alors après, Larson se venge un peu sur le côté. Après coup, j'ai trouvé ça un peu moyen parce Ouais, que c'est moyen parce que c'est dans l'esprit. Ça, c'est la course, là, les gars. c'est Hein, un je veux risque dire, inutile en plus. Ben, c'est un risque parce inutile que en plus, là, il peut se regarde, rayader là. Larson, il lui laisse de la place en plus ici. Hein. Enfin, je veux dire, il le tasse, mais Larson n'est pas dans le mur, là. Enfin, c'est pas. Ouais, bon, je sais pas trop en fait, hein, c'est pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, hein, surtout dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, hein, Jimmy, j'ai bien vu ton message, tu disais que Chastain, concernant Chastain, il faisait un gros travail sur lui, à ton avis, qui se laissait un petit moment pour se faire oublier, c'est aussi Ah, il possible. Hein. serait peut-être temps, ouais. Concernant Justin Haley, je fais une parenthèse quand même, on va revoir son crash Ouais. qui était quand même important. On va le revoir.
Vas-y, vas-y. Je vais faire la parenthèse sur Justin. C'est lui qui déclenche. De toute façon, là, Larson, il est cuit. Après le contact, là, il est cuit. C'est-à-dire qu'honnêtement, là, Il il était déclenche trop le mal drapeau placé. jaune, Il voilà. était trop mal placé au virage 2. Ouais, c'est un gros crash, hein. Pourtant, ouais, c'est. Alors, Ellie, pour rappel, du coup, donc transféré à l'Agricultural Racing la saison prochaine. Et comme il le dit dans son interview, en fait, il dit c'est juste un transfert de business. Il dit c'est pas comme si j'avais été viré ou autre. Hein, nous n'avons pas les Ah ouais, non mais sponsors pour il financer ma l'admet. saison. Il Donc, l'admet, ouais. je pars à la Require. C'est une bonne opportunité pour Require, du coup. C'est ce qu'il dit. Mais aussi pour moi, de rester en cup. Hein, je pense qu'il dit ça en sous-entendu. Donc c'est une régression qui doit être frustrante pour lui. Mais alors, Ouais. après, Colly, je le soupçonne un peu de se dire, voilà, c'est Ah, un de pilote chercher qui ne ailleurs. gagne que sur Super Speedway. Hein. Il gagne en Xfinity Series deux fois Talladega, deux fois Daytona. Hein, donc c'est comme ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent, qui quand je dis par exemple sur Restart TV que non, il n'y a pas, il y a du hasard. Sur Super Speedway, mais il n'y a pas tant de hasard que ça. Et Justin Haley, on est la preuve aussi de tout. Le hasard, tu l'as sur la fin. Tu l'as sur les 15 Pas tant derniers que ça. tours. Pas tant que ça. Hein. Pas tant que Parce ça. qu'après, c'est comme un sprint. Moi qui ai fait du cyclisme aussi quand j'étais adolescent. Ouais, tu ramènes tes équipiers devant. C'est du gros travail, hein, le Super Speedway, contrairement à ce qu'on croit, hein, des fois. Donc, ouais, t'as la réussite d'être placé à l'endroit qu'il faut. En fait, la seule chance que tu as sur les speedways, c'est parce que tu t'es pas pris dans un crash, quoi. Après, sinon, si tu bosses bien devant et que tu arrives à éviter les gouttes, ça se joue à 10 tours de la fin, ouais. Quand tu réussis à te mettre devant et avec un équipier ou avec une voiture amie, on va dire. Et qu'après, ouais, dans les 4-5 derniers tours, ça s'explique. Mais non, Super Speedway, ça se gagne pas sur un coup de dé, ou alors. C'est déjà arrivé, mais déjà c'est. Moi, je reste persuadé, voilà, aussi pour les avoir vécus en sim racing, que les super speedway, c'est quand même du travail. C'est beaucoup de travail, nerveusement déjà aussi, parce que il faut des nerfs hein, quand tu roules à 310 km/h, collé serré devant, derrière, devant, à côté, à droite, à gauche. Bon, bah, t'as pas le temps d'éternuer, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, tu peux pas penser à autre chose. Ouais, je lisais Bruno qui disait une grosse pénalité pour Hamlin, exclusion pour Pour l'ensemble de ses sa carrières. carrière. En même temps, hé, la fin arrive. Hein. 43 ans, je crois qu'à un moment donné. Bon, mais Ouais, mais il y croit à son championnat, hein. Je pense que là, il a deux ah victoires, il y ouais, croit c'est bien d'y encore. croire. Bon, je crois qu'il y a plus grand monde qui y croit à part lui, mais effectivement, c'est un peu. Attends, pourquoi pas après tout. Alors, Oui. juste pour terminer du coup sur Hayley, du coup, pour rappel, hein, il avait déjà gagné une victoire en Cup Series, hein, mais c'était à Daytona sur une course Sur la sous pluie. la pluie. Après, est-ce que il n'aurait pas été quand même poussé vers la sortie pour engager un pilote plus performant? Je pense qu'il l'est parce que voilà, Koligue, bon, on veut monter en gamme. C'est Koligue, pour l'instant, c'est un peu une déception quand même, hein, en Cup, hein, je trouve. Hein, c'est pas. On les donnait rivaux de la Trackhouse désignée, quoi. Que c'était. Bah, tu vois, ouais, clairement, il manque un step hein, pour passer, pour à monter chez Koligue. Hein, tu sais, c'est pas. Autant, tu vois, Trackhouse a vraiment remplacé Chip Ganassi, je trouve, dans l'esprit, tu sais, dans la compétitivité, dans la présence en playoff, en victoire, parce que Chip Ganassi, c'était deux, trois par an, des victoires, c'est pareil, tu vois, comme fait Trackhouse. Bon. Regarde l'action de Larson sur Ouais. Hamlin, la Oui, frustration. ouais, bon, tu sais, Tu vois, je veux dire. c'est le genre de move, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est le genre de move C'est un peu débile. débile, enfin pas débile, je vais pas le Voilà, qualifier ce comme qui ça, est. Larson, mais. Ouais. Non, le move est débile, pas lui. Non, voilà, le Larson move est en soi débile. que toi, il sert pas à grand-chose. Ah non, si Tant tu qu'à peux abîmer à plier des potentiellement ta yellow bagnoles, pneu, mais. tailler des pneus puis les voitures, quoi. C'est pas forcément très intelligent. Non. Après, bon, pas de. Alors, à noter que la NASCAR a fait évoluer hein, les sécurités des voitures. Il était temps parce que cette next-gen est quand même dangereuse, enfin, elle était dangereuse. On voyait le hit que prenait l'autre là. Enfin, je sais plus qui c'était. Je crois que c'était. J'ai oublié le nom. C'était Ryan Preece. C'est Preece Oui. hein, qui prend un énorme taquet
Tu vois le casque qui part, tu vois, la fenêtre du casque qui s'ouvre direct. Tu fais voir le tampon qui part. Ah ouais, c'est un tampon. Ouais. Mais tu sais, ça, encore une fois, grâce au FIFA. Alors voilà, la polémique vient de là. Oui. Donc, la polémique vient de là. Donc, en plus, on parlait de prix. En plus, on parle de prix. Je vais vous commenter aussi ce que disent les commentateurs américains. Parce que sur l'histoire de la sortie du drapeau jaune. Mm. Donc, la 41 est around. Voilà. Ouais. Bah écoute, il est en plein sur la piste en travers. Ouais. Voilà. Et en fait, il dit, le commentateur, voilà, il touche pas le mur. Il est en dehors de la piste, il touche pas le mur. On ne sort pas le drapeau jaune. C'est ce qu'ils disent. Oui, sauf que est-ce que les voitures ont été évacuées ? Sauf que là c'est le money time en fait. Parce que oui. Ils sortent pas le drapeau jaune, du coup, là c'est mort, il n'y a pas de relance. Ils passent la ligne, il n'y a pas de relance. Voilà, c'est fini déjà. Là, c'est sûr, Sam Lini l'a gagné. Ils avaient sorti le drapeau jaune, il y avait une relance. Et donc c'est pour ça que ça fait polémique entre les deux. Vous, qu'est-ce que vous en pensez concrètement ? Est-ce que c'est logique d'avoir laissé la course se disputer, surtout qu'en plus. Il n'arrive pas à redémarrer, d'autant que c'est arrivé à Dillot juste avant. Il n'avait pas, enfin, ou je ne sais plus à quel pilote qui était mis en travers, il n'avait pas réussi à redémarrer ou il avait galéré. Là aussi, galère, Pris. On va le voir, il va galérer. Et du coup, ils sont obligés quand même de sortir le drapeau jaune. Donc au final, on se dit, ils auraient dû sortir. Quoi. Tu le sors le jaune parce que. Non, ils ont pu penser que Pris allait pouvoir repartir. Ils se sont dit, ok, on va laisser une chance. Mais là, Pris, il est en plein sur la piste. Tu rentres dedans à pleine vitesse. Tu t'exposes dessus. C'est pas. Il est en plein milieu là, il est arrêté là. Donc, ouais, il est au bord, mais il est quand même sur la. Et là, il sort la cloche. Là, tu te mets un tree wide là, tu te l'emplafonnes. Regarde où il est là. Ouais. Il est en plein dans la trage. Il est à l'endroit où tu vas te déporter pour dépasser quelqu'un. C'est-à-dire, tu vas faire. Mais même là, en phase de décélération, ça peut être dangereux. C'est pour ça. Non, le jaune, il y avait jaune. Après, regarde, t'as vu comment ils sont là. Non mais ça donne quand même une bonne information, c'est que en termes de sécurité, on est sur un circuit de 2,5 miles. Rien que 2,5 miles, le mec, il a pas de crash, il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien. S'il s'arrête sur la piste, déjà sur 2,5 miles, tu as vite fait le tour pour le rattraper. Donc déjà, c'est dangereux. Bien sûr. Donc, sachant que la majorité des pistes sur le calendrier sont plus courtes que ça, enfin je veux dire, quand tu as une sortie comme ça, c'est drapeau jaune. Ah oui. Le jaune, c'est, comme tu as dit à l'instant, c'est quand un pilote ne touche pas le mur, donc il n'y a pas de débris. Et qui termine sa course dans l'infield. Bon, là, oui, s'il n'est plus sur la piste au moment où. Non, comme dit Jimmy, on dirait, une gestion de iRacing. Mais c'est vrai que si tu es hors piste et que tu n'as pas laissé de débris en route, on ne sort pas le jaune, parce qu'il n'y a pas besoin. Mais là, là où il était placé, alors soit il aurait peut-être pu, effectivement, dans sa remise en route, serré à gauche. Ouais, mais non. Mais là... Puis surtout, j'ai du mal à croire que Hamlin aurait été battu sur le restart. Moi, Et là, il est hué, bien sûr. Hein. J'ai dans le casque le son. Hein, ouais, mais il est hué toujours Hamlin. C'est bien que c'est comme ça. Hamlin est toujours hué. C'est comme Logano, le mec. Donc petit bilan donc sur Hamlin en termes de performance hein, sur tracé. Donc il passe le cap des 50 victoires en carrière. Il est à 50. Ouais. Ouais. C'est sa 7e victoire à Pocono pour vous refaire un peu la carrière. Donc deux fois en 2006 dès sa rookie series je crois dès sa présence je crois sa première année il fait le sweep en fait. 2009. 2010, 2019, 2020 et 2023. Donc, il devient le plus titré sur cette piste avec cette victoire. Deux succès d'affilée, d'ailleurs. Alors, deuxième succès d'affilée, mine de rien, de la Joe Gibbs Racing après Truex au New Hampshire. Donc voilà. Et d'ailleurs aussi, Toyota passe un cap, puisque c'est sa 600e victoire à Toyota. Avec cette fille. Ah ouais. Bah, dis donc. En NASCAR. Bon, NASCAR toute série. Ouais, mais c'est assez fou. Après, Bruno lui dit, pour lui, c'est mérité. En fait, ce qui est un peu frustrant, je pense, pour les spectateurs, c'est déjà le coup sur Larson. Après, moi, ma première impression, je vais vous la dire, hein, quand j'ai vu le move,
J'ai vu, tu sais, c'est un peu parce que avec Gwendal, on fait la direction de course pour l'IS. Déjà, à 7 tours de la fin, tu fais un move comme ça, c'est NASCAR, quoi. Tu vois, ça, Oui, c'est pas un c'est pas scandale. choquant. C'est pas choquant en soi de voir un move de ce type-là. Après, entre fans, voilà, on sait très bien que où va la sympathie. Oui, la Voilà. sympathie va vers celui que t'aimes bien, donc c'est normal. Donc Mais la sympathie est plus vers Larson, donc moi, j'aime bien forcément. les deux. Alors, après, bon, tout ce qu'Ameline, voilà, c'est un pilote que j'ai jamais trop détesté, on va dire. Donc, en tout cas, mais ouais, donc, je trouve que c'est dans l'esprit. Après, voilà, c'est comme ça. C'est un move qu'on. C'est vrai qu'honnêtement, il emmène vraiment beaucoup sur l'extérieur. Ça, j'avoue que c'est pour la. Tu as Ty Gibbs qui le Et félicite. surtout, Tagif qui fait un top 5, son premier en Ouais, Cup. c'est Ouais. vrai. Absolument. Donc, Lui aussi, il faudrait un petit déclic à Tagif. Je trouve que c'est. Alors après, là, et maintenant, il est en Cup. Hein. Ça montre bien encore une fois toute la. Outre son talent de pilote en Xfinity, où effectivement il a gagné, c'est vrai qu'on sait tous qu'en Xfinity, quand tu pilotes la 54, t'as des grandes chances d'être au moins dans le top 4 à la fin, quoi. Bon, ben là, voilà, il était temps pour Ty Gibbs, malgré ses 21 ans qu'il aura dans un mois, je crois, de faire un top 5. Il fallait faire un top 5 dans la voiture 54, et quand même la voiture de l'ex de Kyle Busch, hein, c'est la voiture en fait 18 qu'il a, qui était quand même une des meilleures voitures du plateau. Ça fait partie même des 5 meilleurs, je pense, qu'il a entre les mains. Donc, ouais, il fallait le faire. Il est très jeune, il a le temps, mais je pense que pour le bien de tout le monde de chez Joe Gibbs, il fallait que. Parce que tu sais, on en a déjà parlé, mais l'avenir de la Joe Gibbs, il n'est pas tout rose. Hein, parce que tu as quand même deux départs en retraite qui vont se profiler. Déjà, Truex s'en va. Hein, il n'a pas prolongé. Donc, de toute façon, il s'en va, il quitte l'équipe. À moins qu'il prolonge là cet été, mais en tout cas c'est pas dans ses plans. Je veux dire, quelle bouche s'en va maintenant, en fait, il va en troc, hein, et Ouais. il est pas là du Non, il Gibbs. doit être. Ouais. Comme quoi, tu vois, il y a des pilotes qui marquent leur équipe. Effectivement, Kyle Busch a marqué la Gibbs. Et Hamlin, 43 ans, il a son équipe. Tu peux te dire qu'il a encore un an de contrat, mais Hamlin l'an prochain, bah, je pense que si. Il reste en Cup, c'est peut-être, je pense, pour aller rouler un peu chez lui, peut-être en part-time. Après, il va rester Bell et Gibbs. Donc, il manquera deux pilotes, et pas des moindres, parce que Hamlin et Truex, c'est quand même deux monuments sportifs de la NASCAR qui ont enfilé des victoires, quoi. Donc, l'avenir n'est pas rose, tu vois. Je préfère l'avenir de la Hendrick que la Gibbs. Honnêtement, je trouve. Ouais, à voir, hein, peut-être que la Joe Gibbs ça va faire Ah bah moi déjà, je pense qu'ils une finiront pas à 4 Stewartas. voitures. Non, peut-être pas, parce qu'ils ont quand même plus de talent déjà en réserve et puis un peu plus d'argent aussi, parce que Stewart Haas, quand t'as ton patron, enfin quand t'as deux patrons, t'en as un qui est brouillé avec la NASCAR et qui met plus les pieds, parce que Tony Stewart ne vient plus en NASCAR, donc il a que son nom sur la voiture. Et t'as Jean Haas qui, comme en Formule 1, a déjà dit de toute façon qu'il mettrait plus un rond dans l'équipe. Donc, autant en Formule 1, tu as le budget cap qui fait que, bon an mal an, en construisant une voiture banale comme la ACF1 qui est très banale avec un moteur correct, tu peux marquer quelques points par-ci par-là. En NASCAR, tu n'as pas de budget capé, c'est du monotype en châssis. Bon ben voilà, tu te fais bouffer, mais bouffer. Donc là, Stewart Haas, déjà je pense que supprimer une voiture, parce que je crois que c'est dans les plans. De virer la 10, donc une voiture payante, parce que tu sais que chez Stewart, il y a quatre voitures, mais tu as deux voitures qui rémunèrent leur pilote, la 14 et la 4, et la 10 et la 41 que tu payes. Bah, de supprimer une payante, bah, c'est des budgets en moins, quoi. C'est des ressources qui ne rentrent pas dans l'équipe. Donc là, tu mets Josh Berry dans la 4, qui est un pilote qui est quand même moyen, Josh Berry, hein, il a 33 ans quand même. Hein. Ouais. Il en aura 34 quand il va débuter en Cup à temps plein. Il sera rookie à 34 ans. Mais je pense que tu vois, c'est toujours pareil, une histoire de business. C'est-à-dire, Oui, c'est pas oui. tellement une étoile montante. Donc, du coup, à mon avis, au Ah niveau bah salaire, non. ils ont dû plus négocier un truc. Ah oui, mais sauf que est-ce que Josh Berry, c'est Harvick, quoi? Je veux dire, non. Enfin, c'est ni techniquement, ni par le talent. Ouais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tu dégages Amirola, qui est ton second pilote aujourd'hui, quoi.
Briscoe, bah, plus ça va, plus on trouve qu'il est pas bon. Franchement, cette année, il est catastrophique. Il est catastrophique. C'est vraiment Ça dommage, vaut hein, parce que. rien du tout. C'est le quatrième de l'équipe. Il est battu par Almirola. Il est par Price complètement à l'arme. Il est arrêté sur la piste. Et lui, par contre, tu le payes, ce mec. Donc, je vois pas comment Stewart peut s'en sortir, quoi. Il faut qu'ils vendent l'équipe. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils passent à deux voitures. Une payante, et puis une payée. Tu gardes la 4 et puis la 41, et puis voilà, roule quoi. Ou la Ouais. 14, parce que bon, c'est historique, mais bon, allez, tu gardes la 14 et la 41, mais je veux dire, tu peux pas arroser 4 bagnoles avec des pilotes aussi moyens, avec des budgets aussi courts, et une motivation aussi énorme. Donc non, cette équipe-là, elle est en perdition, elle est complètement perdue. Quand tu vois qu'on disait que McDowell était pressenti pour rouler chez Stewart Haas, mais non, mais Michael, mais surtout pas, reste là où t'es. C'est mieux là où t'es. Non, mais c'est mieux. Non, enfin, n'y a pas d'intérêt. C'est pas. Si, pour avoir une belle casquette, ouais. Mais à part ça, je vois pas. Enfin, Cédric, je crois que c'est Cédric de sur notre groupe Facebook, surtout n'hésite pas à rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. Il disait lors de l'interview de Dylan, on se bidonnait à l'interview. Les commentateurs se bidonnaient à l'interview. Tellement, tellement. Et on va revoir le contact d'Elliot, de Dylan, pardon. Et avec sa fausse on va moustache et voir, puis on va analyser ça. on dirait Mario quoi. Mais Ouais, alors c'est moche. Enfin, bon, il y a l'interview. Il n'y a pas l'interview, mais je vais vous la retrouver. non, mais On va t'inquiète pas. revoir ce qui s'est passé, mais globalement pour C'est moi, en vrai fait, Dylan ferme que. sur Reddick. Allez, on voir. Attends, là, on le voit pas, c'est en On bas voit pas de l'image, trop ce mais. qui s'est passé. Je sais pas s'il y a un autre angle. En plus, c'est sur son ancienne équipe, en plus. Voilà, là on voit mieux. Donc là, ils sont ici. Et en fait, Reddick est quand même. Bon, il prend un peu plus large pour essayer de. On va essayer de suivre Oui, mais parce devant. que, Et encore une fois, Dylan. ce virage-là est très compliqué à prendre à deux de front. Hein. On est plusieurs dans le chat à l'avoir expérimenté. Hein. Enfin, bref, je. Parce que Pocono, les virages se referment tous. En fait, le T1, tu rentres Garde. fort dedans, mais à la fin, le mur se rapproche très vite. Alors, on voit bien que Dylan, en fait, tu sais pas ce Ben qu'il fait. oui, Il coupe. Il coupe la trajectoire. façon, tu le vois par Regarde. rapport au sillon, tu le vois par rapport au sillon de tarmac. Il descend clairement sur lui, c'est évident. Il fait comme s'il n'était pas là, là. Ouais, il fait comme s'il n'était pas là, en fait. Eh oui, regarde, tu vois bien. Là, c'est l'image où on le voit le moins bien, mais sur le plan de tout à l'heure qui est vu d'hélicoptère, tu vois très bien que de toute façon, tu prends les sillons d'enrobé, tu vois très bien qu'il descend. Regarde. Non, hop. Il descend la vitesse, ouais. Regarde, là, il est en haut, et hop! Attends, il descend sur lui, il sait très bien qu'il est là en plus. Là, déjà, comme tu dis, il est sur l'avant-dernière ligne, ici. Ouais, il descend d'une ligne. Et Reddick, qui est en train de visualiser la corde. Parce que Enfin, Reddick, il peut pas être plus bas, Reddick, il bouge Reddick. pas en plus, hein. Non, mais Le Reddick, mec, si. il a rien demandé, quoi. Il se Je peux te fait. dire que dans ce virage-là, si tu es trop bas, tu tournes pas. Et on dirait Donc. que quand tu regardes, on croirait presque qu'il rentre dedans volontairement. Regarde, Reddick, il est là dans sa ligne. Lui, il passe de sa ligne, traverse comme s'il n'y avait personne. Et du coup, il force en plus Reddick à Surtout faire qu'il de la a passe droite. largement la place de rester en haut, je peux te dire. Parce qu'il a Burton qui laisse la place. Et plus Ouais, qu'un peu. il a fait une erreur. Une erreur. Ah, Il c'est bien. n'assume pas. Ah là. Alors, hop, alors, hop. Et puis surtout, Du il va te coup. balancer le casque sur Reddick. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, dans tout le comportement, c'est une parodie de truc. Parce que avec sa moustache, c'est une parodie de Dale Earnhardt. Et dans son jeu de tête de casque, c'est une parodie de Tony Stewart qui lance sur Matt Kenseth. C'est vraiment le truc. On va voir. Normalement, là-dedans, il doit y avoir l'interview. Je vous ai un peu noté ce que. Mais je veux dire, les commentateurs se bidonnent. Bête, il avait une belle voiture en plus. Franchement, j'aimais cette livrée. Ouais, c'est une livrée pour un J'aime bien. Hein. insufflateur.
Psy, Eh ben, tu l'asthme, vois, comme quoi. fabriqué par AstraZeneca. Voilà, on leur fait une petite pub. Oui, bon, je sais. De toute façon, AstraZeneca, je pense qu'on en a tous dans le corps. Donc, pas Jimmy, loin. son spotter était parti bouffer une glace. Ouais. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais c'est une grosse glace. C'était un McFlurry, je pense. Il y avait vraiment de quoi Alors, on voit de gonfler. face. Il regarde droit de face. Oui, bah Ah, tiens, de il face, sait que je te passe devant. ça va être pas l'air qu'on lui coupe l'attrage. Il lui coupe l'attrage. Il sait très bien qu'il est là. Je vois pas comment tu peux éviter là, le truc. Comment tu peux ne pas aller au crash. Parce que de toute façon, Reddick peut pas tourner. Si Reddick descend plus bas, il tourne pas. Regarde-moi ça, le matos mis en foutu en l'air, du coup. Bon, ça après, t'es chez Childress, ça t'inquiète pas que le matos. La voiture est déjà réparée et puis prête à rouler ce week-end. Bah c'est là que tu vois, regarde. Enfin, je veux dire, Kyle Busch, il a combien de victoires là depuis le début de la saison? Deux. Trois? Trois ou deux ou trois, je sais plus. Deux, moi je dirais, même pas que c'est deux. Hein. Trois. Trois, 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 attends pour moi. Y en a trois déjà. Et Dylan, bah comme à son Ah, habitude. Dylan, il est. Dylan. Oui, quatre avec le clash. Merci Bruno. Mais. Ah, donc il lance son casque aussi, hein. Mais. C'est vrai Totalement que. cohérent. Oui, mais je te dis, c'est Tony Stewart avait fait Alors, cette balance sur le casque, il sur va la peut-être, tête. il va peut-être être pénalisé. J'ai pas regardé les news. Il va C'est peut-être être pénalisé ridicule. pour ça. Regarde, on dirait un mec décapité dans la tête qui roule par terre. Mais non, mais c'est ridicule. Bref. Bon, ok. Il rate la voiture de Reddick. La voiture de En Reddick que plus. j'adore, hein. J'ai fait un petit post là-dessus. J'adore la voiture de Reddick, hein, en passant. Oh, ouais, moi, je suis moyen fan, mais. Oh, j'aime bien le vert, moi, vert blanc. Ça fait très scolaire, tu vois, ça fait un peu voiture universitaire. J'aime bien le vert aussi, mais après, je. J'aime bien l'association, moi, de couleurs, perso. Bon, après, c'est les Ouais. goûts des couleurs, on s'en fout un peu, mais. C'est vrai que C'est dommage si la NASCAR commence à pénaliser ce genre ouais, c'est vrai d'action, mais. que c'est ridicule de pénaliser, serait aussi crétin que de l'avoir fait, quoi. Mais bon, voilà, écoute, c'est reste d'humeur, écoute, fais ce qu'il veut, Austin. Il faut bien qu'il existe, hein. Un petit peu. Mais c'est dommage parce que Et Austin le Dillon, il a. commentateur, hein, dans le casque, hein, que je vous dise, il dit bien, Dylan redescend sur lui pendant que Reddick Oui! tient sa ligne. Donc il n'y a Enfin, pas pendant ce de. temps-là, je t'annonce Wow. qu'Austin Dillon au championnat est 30e. Donc, 30e du championnat avec un top 5 dans son escarcelle. Ça va être très compliqué de justifier ça. Hein, Bon, on l'aura bien parce vu, que. hein. Après, Dylan, bon, là, on lui souhaite pas de se crasher, hein, bien sûr, hein, mais bon. Non, mais il faut pas le souhaiter, mais si tu veux, c'est là, c'est. Voilà. Alors, Austin Dillon, donc, qui sort du centre médical, je traduis un peu. Vous avez un gros run aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer votre mécontentement avec Tyler Reddick? Quel Qu'est-ce qui s'est charisme. passé et quel message vous voulez lui faire passer? Eh ben, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il raconte d'ailleurs? J'ai pas le son. Voilà, on était à 3 de front. Non, J'étais sur son c'est pas arrière vrai. gauche. Ils sont pas à 3 de front parce que Burton au-dessus, il est. Enfin bon. Attends, attends, j'écoute vite fait parce que je crois qu'il dit ce qui vole ma ligne. Il vole ma ligne. Ouais, il dit qu'en gros, Reddick est peut-être même monté sur lui. Oui, carrément, c'est flagrant. Ouais. Et franchement, Austin, est-ce qu'on a vu la même course? Oh là là Là, il là dit, là. bon, c'est vraiment dommage pour notre équipe. Oui, On blablabla, the team did a great job, the car was fantastic. a. Ouais. Attends, Oui, attends, attends, ça. voilà, il dit, voilà, là, elle dit, on vous le voyait pas, mais en fait, elle lui continue de parler. Elle lui demande, voilà, vous lui lancez votre casque, machin. Voilà. Et là, Dylan dit. Je crois que je vais commencer à foutre en l'air des gens. Bah, il a déjà Sachant commencé. que bon, il a déjà foutu en l'air des gens lui-même, déjà, avec Oui, Amurola, Amendola. il va Mais être là d'ailleurs, mais. on va dire qu'en gros, c'est pas de sa faute, et on va commencer à foutre en l'air des gens si ça Mais continue comme ça, quoi. c'est jamais de sa faute à Dylan, tu sais très bien.
il y en a très peu qui assument. Hein. Logano assume. Quand c'est lui qui fait l'idiot, il le dit. Hein. Keselowski aussi, d'ailleurs, le dit, que c'est lui qui a fait l'idiot. Mais Hamlin, Dillon, Truex, ces mecs-là, jamais tu verras t'en dire que c'est leur faute. Hein. C'est tout le temps la faute des autres. Hein. Toujours. Alors, je vais vous remettre alors. Hop, je vais vous remettre du coup. Et on va réétudier une autre interview. Donc là, c'était Austin Dillon. Donc voilà. Pas trop de surprises. On va regarder. Larson. Non, mais ça, Kyle Larson. C'est parti. Vous épargne la pub. Larson, donc du coup, sur sa fin de course avec Hamlin, bien évidemment. Donc là, on va avoir l'interview de Hamlin et après l'interview de Larson. Donc là, bien sûr, Hamlin se fait huer hein, sur l'action. Ça, c'est Avec une du fin classique. course frustrante pour les spectateurs, avec encore une histoire de drapeau jaune. Bien sûr, l'équipe est contente, hein. Heureusement. Vous imaginez pas que les équipes sont comme les spectateurs, ils ont gagné, ils sont très contents, c'est normal. N'empêche, c'est quand même assez jubilatoire hein, quand t'es comme ça, que t'as tout le monde, t'as le public entier qui te hue et t'as ton trophée à la main. C'est Alors dommage, là, je pense. il dit en fait que il dit both guys wreck themselves. Donc en fait, ils se touchent mutuellement. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu vrequer l'autre, enfin cracher l'autre. Alors après, il dit, il a loupé son virage ou il y a un truc comme ça, il loupe le et que il avait ses pneus du côté droit qui étaient pas frais. Ce qui est étonnant quand même. Là, il explique sa science de la course en disant, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ah oui, voilà. Là, il dit, je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché. Ah non, mais ça, Je non, vous il a la pas remets. touché. Hein? Alors. Non, mais il a pas touché, oui, c'est ça. Voilà, il dit quand vous êtes comme ça, soit vous heurtez le mur, soit pour Larson, il parlait à la place de Larson, soit. Mais voilà, il dit c'est le choix qu'on a fait et je le touche pas. Ouais, il touche pas. Ça compte un Alors 0x, ça ira là, il lui 6. Ouais. demande, qu'est-ce que ça évoque pour vous la 50e victoire. Eh ben c'est cool. Donc, I love it, j'adore ça. Oui, bah ça. T'as vu, je l'ai faite. Avec un public comme ça, sympa. Voilà, je pense honnêtement qu'on avait la meilleure voiture. Oui, je suis d'accord. Il est très content de sa voiture. Ils allaient très vite en Il essai, peut, hein? notamment. Il peut. Après, du Gibbs Racing, hein, je veux dire, ils ont les meilleurs ingénieurs de la NASCAR. Hein, donc, Oh oui, non, mais c'est la meilleure. Aujourd'hui, c'est. Techniquement, c'est bien pour ça que je te dis que l'avenir fait peur, c'est que Parmi les meilleurs ingénieurs. mais le présent est quand même tout à fait à leur avantage. La Gibbs est la meilleure équipe aujourd'hui, d'un point de vue développement. Là, il dit Jimmy de la US, c'était quand même fou. Hein. L'ambiance de la tribune, bah ouais, là je l'ai. Oui, il y a Jimmy qui me dit Adblock, Jean, mais c'est gratuit. Ben, je... Alors Non, mais tu l'as ça pour coupe pas les YouTube. pubs de YouTube, hein, je suis sur Ah, YouTube. si, Hein. si, si. Ah, ben, si, monsieur, j'en ai un pour ça exprès. Tu Bah, tapes dans la tu peux le faire. recherche, je te le filer, Mais monsieur, moi, ça marche voilà, très je bien. vous épargne les pubs, mais c'est pas grave. Du coup, Larson, maintenant. Alors attends, je vais vous redire la question quand même. Enfin, vous dire ce que je comprends de la question, ou du moins. Parti. Alors, on a vu une course agressive entre Hamlin et vous. Voilà, on regarde qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Oh la gueule.
Alors il dit, je suis vraiment fier de mon équipe qui m'a permis d'être à cette position-là sur le restart. Alors tu sens qu'il est blasé hein, quand il explique. Ah oui, de toute façon, rien qu'à voir sa Tu sens tronche, tu qu'il sais qu'il est blasé. soupire, il est ultra blasé, tu es blasé. Hein. On a bien joué niveau stratégie. Voilà, c'est malheureux, mais. Voilà, la course est terminée brutalement alors qu'on allait faire un excellent résultat, voire même peut-être gagner. C'est vrai, oui, il aurait pu gagner, oui. Ah voilà, et là il commence à dire, voilà, moi j'ai jamais eu à m'excuser pour n'importe quoi à propos de Denny Hamlin. C'est pas Là, forcément vrai. il dit, je suis sûr, il est en train de s'excuser. Il va s'excuser, il va dire, je suis désolé, machin. Voilà, c'est ce que c'est. Alors, on va juste avancer. On va voir, voilà. Il dit, ouais, bon, on va voir la course prochaine. Tu vois, il essaie de sortir son discours bateau, mais il n'y arrive même pas tellement il est blasé. Mais il dit, je sais même pas c'est quoi la course prochaine. Il dit, je crois que c'est Richmond. Mais c'est Je te Richmond, je jure, veux je te jure. dire. Il dit ça. Regarde. Et puis, il dit, just move on. Tu vois, je sais même pas c'est quoi la prochaine course, c'est Richmond, ouais. J'écouterai. Ouais, Surtout bon, que c'est. surtout qu'on va parler de Richmond, les amis. Et c'est Larson qui a gagné l'an dernier. Enfin, qui a gagné l'épreuve. Non, on est à deux épreuves cette année. Le Il a gagné printemps, la il a première. gagné. Il a Ouais, gagné l'épreuve de la première. Voilà. Vous et Denny, vous êtes amis en dehors de la piste. Est-ce que vous attendez, vous faites wait and see, vous attendez ses excuses, comment ça va se passer en gros? Ils vont s'appeler dans la semaine. Il dit non, je vais pas, il va pas en faire un drama. Voilà, c'est ce que c'est la course. On est amis. Voilà, il dit he always right, c'est-à-dire il a toujours raison. Tous les mecs qui le connaissent disent Je qu'il a te l'ai toujours dit tout à raison. l'heure, Ami a toujours raison, c'est jamais de sa faute. De toute façon, c'est évident. Je suis sûr, il est encore en train de dire qu'il a encore raison aujourd'hui. Voilà. Bah, c'est vrai. Et c'est Bah, ce qu'il a dit tout à l'heure. voilà. Là, il dit, voilà, je vais pas briser d'amitié pour une histoire sur la piste. Oui, puis allez, Voilà, ça mais va. il dit, I am peace. Voilà, j'en ai marre. C'est pas comme s'il avait explosé non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas. Eh oh. C'est chiant quoi. En gros, il dit j'en ai marre, c'est Je veux chiant. dire, moi, tu vois, j'en voudrais beaucoup plus il y a très longtemps, l'année du titre d'Harvick, quand Larson se fait dégager par Ian Newman à Phoenix, parce que Newman Ouais. veut absolument se qualifier pour le top 4. Ça, c'est moche. Bon, après, voilà, ça, c'est un truc. Où, bon, ça a rien à voir avec ça, quoi. C'est vrai que non, mais Amine, c'est. Amine, ça fait plus de 20 ans, ça fait 20 ans qu'il est en cup quasiment. Bon, je pense qu'il s'est embrouillé tout le monde, hein. À peu Ouais, près. après, bah voilà, parce qu'il a une façon de piloter très NASCAR, très très touch, comme Logano. Ah, il va au contact, hein, ça Il c'est va au clair contact, qu'Amine donc va au ça fait un peu. contact. D'ailleurs, quand les deux se frictionnent, d'ailleurs, c'est assez drôle en général. Mais oui, Alors, non, mais je. pour terminer là-dessus, je termine l'interview vite fait. Vas-y. Voilà, en gros, je pense que je vais y repenser longtemps. Je crois qu'il dit ça. Oh, mon pauvre Kyle. Voilà, je n'ai jamais m'excusé de rien. Anything à propos de Hamlin sur la course. Même sur les courses, parce que je me souviens pas de Là, lui qui. il le cite, voilà. Il est toujours venu me voir en s'excusant. Bon, ça a dû finir comme ça. Écoute. Ouais, boire une bière, puis voilà, quoi. Voilà, et là, il parle de Ross Chastain de l'année passée. Il dit, il a fait le même coup à Ross, mais bon, Ross, il le méritait. C'est ce qu'il dit. Ross, il méritait de se prendre le mur dans la gueule, en gros. Bah, en même temps, Ross,
Il a quand même passé 1 an et demi à faire du travail de fond, hein. Voilà, je pense pas que je mérite de... Voilà, je pense pas que je mérite d'avoir été plaqué contre le mur comme ça. Oh, mais c'est que dalle. Attends, je Et, mais dis. après, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est, il monte, il protège sa position, Hamlin, parce qu'il sait très bien que s'il laisse partir Larson, c'est fini. C'est surtout que vu comment ils sont placés, je te dis, pour bien connaître Pocono, vu comment ils sont placés, c'est vrai, oui. Parce que Larson a plus d'élan. Donc, après, tu n'arrives pas au virage 2, tu passes pas au virage 2, tu passes pas au 3. Je vais sûrement oublier ça après, mais voilà, il est un peu blasé parce qu'il aurait pu faire un top result. Oui. Voilà, on avance vers Richmond. Very frustrated, Kyle Larson. J'adore la voiture, les voitures de Chastain, elles sont Ah tiens, bleues et j'ai pas noires. regardé l'interview de Truex. Voilà, qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Tout. Tout. Oh, c'est nul. J'attendais un bon push, mais je crois que c'est ce qu'il dit. Il dit j'attendais un bon push, mais j'ai rien eu. Je sais pas trop ce qu'on peut faire quand on essaie d'avoir le bon push, mais on ne l'a pas. Bon. Voilà, faut faire de bonne équipe, comme d'hab. Oui, bah, vaut mieux de toute façon. Voilà, essayer d'être meilleur avec la Camry. On le voit hein, dans la voiture verte, bien sûr. Problème de la Camry, c'est qu'il faut qu'il y ait d'autres clients hein, pour la Camry. Donc, ça, c'est un problème pour eux. Il dit, de manière générale, on a une bonne journée. Voilà, c'est une personne d'être là, voilà, super. Harvick. Bah, Harvick est content. Putain, il est Oui, jeune, hein, mais comme ça. pourtant, maintenant, Ça il part. part à la retraite. Maintenant, c'est peinard. Tu vois, il fait la course, ça lui fait plaisir. Voilà, Enfin, ah, attends, depuis qu'il se rase, il fait jeune, hein. Attends, je vais juste écouter. Voilà, top 5. Pourquoi il rigole? Attends. J'essaie de capter la vanne ou... Il fait une mention au dernier restart, mais je comprends pas bien la vanne. Je crois qu'il lui dit, je pense que vous imaginez qu'il y a un dernier restart, je crois qu'il dit ça, mais... Je Pour pense aller que... Est-ce que vous gagner. aurez fait des choses différemment? Alors déjà, il dit qu'on n'était pas bon dans le trafic et sur les restarts, on n'était pas excellent. On roulait à trois de front, on avait besoin d'être clear pour en gros performer, quoi. Je pense que c'est ce qu'il dit. Voilà, on a eu de la chance à la fin d'être derrière Denny. Voilà, whatever. Ça, voilà. Bon. Good day pour Bush. Et la Ford Mustang. C'est étrange. C'est ce qu'il dit, une course étrange. Alors, attends. Avec la manière dont on a. Je crois qu'il taille son équipe, mais je suis pas sûr. En gros, il dit. Course étrange avec la stratégie qu'on a prise. Après, tailler son équipe, c'est pas mal. En gros, il remet en cause la stratégie, j'ai l'impression. Mais bon. Là, faut mettre la voiture à la bonne position, faut être compétitif quand c'est comme ça. Oui. Toute Et façon, il tu sais, dit, Harvick. il conclut avec. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire toute l'année. Ouais, bon.
Alors, il attend une victoire, bien évidemment. Et Taylor Reddick qui fait un peu comme Harvick, il a des lunettes. Ouais. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier move sur la fin de course? Il a fait un move sur la fin de course? Bah si, il s'est dégagé par Austin Dillon. Non, mais c'était pas la fin de course, attends. Ouais, non, je pense que c'est ça qui dont il parle. Voilà, il fait un bon résultat, il est troisième. Ouais. Vous avez passé beaucoup de gens, vous avez fait beaucoup de dépassements. Bon, attends, on va regarder. Il est très mécontent du drapeau jaune, j'ai l'impression. De la politique de drapeau jaune qui a été faite. Oui, bah je comprends aussi, il fallait le sortir tout de suite. C'est vrai que. Voilà, là, il dit la même chose que Truex. Il dit on n'a eu aucune aide sur le restart pour venir être en gros dangereux pour les mecs de devant. On a eu pas mal de vitesse tout le week-end, c'était intéressant. Voilà, ouais, ok. Le top 10. Il parle de voilà, qu'est-ce que la team a besoin pour avoir un bon momentum pour aller chercher des victoires en gros. Je pense qu'il dit un truc comme ça. Reddick qui parle d'une manière, je te jure. Il bouffe un peu les mots. Ouais. Alors on a eu de la vitesse toute la semaine, ok. Alors, on va juste continuer de travailler, quoi, en gros. Ouais, bon, ça c'est pas tout. Voilà, donc Richmond, les amis, prochaine Ouais, course. Alors je vais regarder en bon, plus si on a c'est. bien, on a bien tout décortiqué. Est-ce que vous aviez des. Surtout, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez ajouter des choses, si vous voulez voir quelque chose en particulier aussi, n'hésitez pas. Sachant que voilà un petit point pour les interviews globalement qu'on a pu voir, le classement général après. Cette course, donc Martin Truex Jr. reste premier, 3 victoires. William Byron sur 4 victoires avec 8 top 5, c'est quand même pas mal. Kyle Larson, 9 top 5, hein, c'est le meilleur top 5er du game. Pour. Tu voulais ajouter quelque chose, Manu, là-dessus? Non, mais c'est surtout que dans les playoffs, il y a quand même trois pilotes qui. Putain, Stenhouse est bien qualifié pour l'instant. Hein. Tu sais, il est quand même, il a de l'avance sur Almendinger. Pareil, Brad Keselowski qui était nulle part l'an dernier, tu le vois là, qualifié pour les playoffs également, Ouais, avec 4 top 5. Et puis t'as Bubba Wallace, quoi. bon, Avec bah voilà, ce 4 top 5 qui se fait des. Voilà. McDowell, ça va être compliqué, ça va être assez fluctuant pour McDowell parce qu'il est quand même, il a 17 points d'avance sur Almendinger. Et puis Suarez est proche derrière, et bon, voilà. Mais tu vois, franchement, Wallace. Il fait une bonne saison, en fait. Il Ouais, a 9 après, points. à noter quand même que Harrison Burton enregistre avec Pocono son deuxième top 10 de la saison. Je sais pas Waouh. pourquoi j'ai vu sur lui. Bon, on sait qu'il fera jamais rien, mais Ah bah, c'est dommage parce qu'avec une voiture de chez Penske, en plus, c'est un peu dommage de rien faire avec, quoi. on Mais voit bon, Shane c'est Van pas. Gisbergen Van qui est avec Phil Gisbergen, Mort. hein. Ouais, Ouais, mais tu Chase vois. Burton. Dans le classement général, ouais, je. Par Quand tu les noms vois. quand même que tu vois là, c'est quand même incroyable. Ah Ouais. bah ouais, Jason Button, Jordan Taylor, en bas, bon, Johnson, Raikkonen. Tu dis les mecs. Mais ce qui est très amusant, c'est de voir que tu vois, chez Hendrick, on paye tout là. Pour info, attends, je te laisse terminer après. Ouais. Pour info, là, le classement est rangé dans l'ordre des playoffs projetés ici. Donc c'est pas le Oui, classement mais réel général. en Parce général, que là, vous le voyez, il n'est pas dans alors, l'ordre. Si je le mets non. dans l'ordre, en fait, bah voilà, ça remet un peu les pendules à l'heure, mais en gros, c'est mieux le regarder comme ça. Parce
Le système des playoffs projetés, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour vous expliquer rapidement, vu que j'en, je m'en occupe pour l'IS, c'est exactement le même système qu'on applique. C'est qu'en fait, le premier, en playoffs projetés, donc ils vont lui donner 2000 points. Vous ajoutez à cela 15 points pour le premier, parce qu'à la fin de la saison régulière, s'il est toujours premier, bah, il gagne encore 15 points de playoffs. 3 points, 3 victoires, donc 3 fois 5, 15, donc 2030. D'accord. Et 3 stage wins, donc 2033. Voilà. Ensuite, 2032, pourquoi? Parce que quand vous êtes deuxième, vous engrangez, je crois, 10 points de playoff, ou 9 ou 8, je ne sais plus, par votre position finale à la fin de la saison régulière. Et donc, il y a 4 victoires, donc 5 fois 4, 20. Donc, si c'est. Alors, je vais dire qu'il a 10. Donc, 5, 20, donc ça fait 2030. Et il a 2 segments. 7 stage win, Byron. Bon, j'ai pas fait gaffe à ça. Tiens. Ah bah de toute façon, avec 4 victoires au compteur, oui, il a forcément. Enfin, oui. Non, il a. Attends, donc il a 2000 plus. Il doit avoir 10 points de saison régulière. 20. Ah, il doit avoir 8. Il doit avoir 8. Attends. 2000. Je crois que c'est 8 le deuxième. 2008 plus. Plus 20. Donc ça fait 2028. Plus 7, 2035. Un truc qui va pas, un truc qui m'échappe là. Ouais, il est deuxième classement général. Donc il est deuxième playoff projeté. Donc en théorie, ouais, il devrait. Ouais, c'est bizarre. Oh, je suis à 2035. 7 stage win. Attends, 2007. 20, 2027. Ah, il prend que 5 points alors. Il prend que 5 points de fin de saison régulière. Mmh. Mais pour son, je savais pas, tu vois, je savais pas. C'est étonnant ça. Bizarre. Bon bref. Bref, c'est pas grave. Bon. Jimmy, on parle en gros, c'est ça l'idée quoi. Ah si, vite fait avant dans le classement. Après dans les playoffs projetés, il gagne des points. Bah, regarde, après dans le classement, t'as quand même des aberrations. Hein. Austin Cindric, 22e. Et, ah, lui, ça, c'est pas, terrible, hein. Et lui, il ne s'est pas pété au ski. Non. Alors oui, un truc, oui, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur la Stewartas Racing, ouais. C'est que les mecs, regarde, quand tu regardes Price, par exemple, il est derrière chez Elliott. Ouais, 7 courses de moins. De moins ouais. 7 courses de moins, c'est juste et là. Et surtout, ouais, déjà, et puis c'est pareil pour Bowman. Bowman, c'est était blessé, mais bon, bah, ouais, Bowman. Bon, Bowman, il sera peut-être. Non, cette année, il ne sera pas. Il a... Clairement, Bowman, non seulement il ne sera pas à cause du classement, mais aussi parce que Bowman n'a pas la vitesse. Là, après, il y a quelle course qui pourrait lui plaire là, sur le. Il y a Super Speedway, il y a Daytona, donc oui, tu peux toujours aller chercher une place, que ce soit Austin Dillon, ou que ce soit lui, ou Elliott. Même un mec comme Almirola, il peut le gagner, hein. Tu sais, il l'a déjà fait, donc ouais, c'est même Jones d'ailleurs. Mais quand tu vois Austin Dillon, il est 30e. Aujourd'hui, Austin Dillon, il est clairement, c'est le dernier des pilotes classés, quoi. Pratiquement parce que ah si, il y a pire, Chase Briscoe qui est 31e. Mais quand tu sais qu'après, au-delà de la 34, alors de la 34e place de McLeod, le 35e Cody Ware n'est pas du tout à temps plein. Je veux dire, aujourd'hui, Austin Dillon n'a que 5 places de mieux que les part-time. Ouais. Mais c'est fou. Non, mais... C'est triste, et puis bon, je veux dire, Ty Dillon, pareil, alors il y a une histoire où son crew chief s'est fait sortir, il s'est fait remplacer, donc pareil, l'ambiance au centre d'équipe, c'est pas fou, du coup, ouais, je regarde pour demander à Eric son avis, pour savoir un peu l'ambiance dans l'équipe Spire, ouais, bon. Et on essaiera d'en reparler un de ces quatre, mais il y a une rumeur qui tourne, qui vient de l'IndyCar, je vais vous la révéler. La Spire serait bientôt rachetée par Andretti. Ah oui. J'ai pas publié sur le. Je vais peut-être vous le faire demain matin.
Andretti serait acheteur de la Spire. Ouais. Avec le sponsor de. Tu sais, il a un sponsor là, sur Colton Herta, la voiture qui est jaune, noir et bleu là. Cherche son nom. Ben, d'ailleurs, Marco Andretti, quand il a couru en truck là, à Mid-Ohio il y a 15 jours, avait justement ce sponsor là. Donc, je pense que ce sponsor veut aller en NASCAR. C'est clair que. Et je pense qu'Andretti devrait racheter l'équipe. Par contre, il disait que le charter, s'il veut racheter un charter aujourd'hui, c'est en dollars, c'est plus 5 millions de dollars. Maintenant, c'est 30. Hein. Donc, c'est quand même pas donné. Il y a Jimmy qui veut qu'on parle des invités à Indianapolis. Bah oui, c'est une belle. Parce On va qu'apparemment, avoir un il y a du beau monde. plateau, ça va être le plateau le plus relevé qu'on a vu en termes d'invités, parce qu'il y a Button, je ne sais pas si Button court ou si c'est quand il est à Il y a Watkinsville. Kobayashi, Cozzetti, Kobayashi, Van et surtout qu'en Giesbergen. plus, je peux dire un truc, c'est que Kobayashi, il court pas chez n'importe qui, hein. Il court chez 2311, hein. C'est quand même parce que Toyota. Mais bien sûr. Voilà, et puis Van Giesbergen, et surtout, il y a Costecchi, c'est l'adversaire de Van Giesbergen en En supercar. supercar, ouais. Et puis oui, en effet, il y a Button qui est là aussi. Ouais. Et non, mais là, tu vas avoir un plateau de Roadringers. Après, c'est dommage que ce soit à l'Indy Road, qui est un circuit bien pourri, faut dire. Mais Ouais. ça aurait pu être ailleurs, genre Ouais. dans Bah, la il y version a longue de Watkinsville, tu vois. après ouais, Road America. Pas. Bah, il Là, il y y a a Road Roden. America ce week-end hein, sur Oui, en Xfinity. Xfinity. Ouais. Il n'est plus en cup. Par contre, il aurait pu y avoir, tu vois, la version longue de Watkinsville, par contre. Ça aurait Oui. été sympa de la faire rouler avec ces mecs-là. Mais là, ouais, attends. Et surtout, ça sera un excellent test pour Van Giesbergen, parce que lui qui veut projeter son avenir en NASCAR, là, Ce serait dingue, hein. de venir sur un routier, un vrai routier, pas sur un urbain comme il connaît, là, de sortir vraiment de sa zone de confort et venir rouler sur un routier habituel de la NASCAR. Si vraiment il réussit encore à faire un top 3, là tu te dis qu'il y a potentiel. Honnêtement. Ouais. Mais après, ouais, on verra, ouais, parce que là, il y a eu beaucoup de génie sur la course, mais est-ce que justement, il serait aussi compétitif Alors, on verra, ce parce genre que. de. Alors, la V8 Supercar, elle est quand même très proche maintenant de la Next Gen. C'est un Button est là châssis aussi, hein, qui. JJ. Ouais, j'ai vu. Ouais. Le châssis de la Next Gen, franchement, est très proche de la V8 Supercar. C'est vrai même que c'est le même châssis. Hein. Les V8, c'est pareil, c'est la même puissance pratiquement. Tout ce qui change, c'est la boîte de vitesse, qui est à commande avec un levier de vitesse en NASCAR, mais qui est au volant par contre en V8 Supercar. Mais c'est tout, la voiture, voilà, c'est évident que l'adaptation au volant, elle est quand même vraiment facile pour lui. Et il l'a prouvé d'ailleurs. Mais c'est bien, hein. Franchement, je me suis éclaté à le voir gagner. Donc, bah alors avant de faire vos pronostics, parce que là on va bientôt être 2 heures en live, mine de rien. Alors, Jimmy me fait remettre. Ouais, en effet, c'est peut-être un levier aussi, un supercar. Je sais plus. Ouais. Il me semblait que c'était au volant, moi. Après, je. Qu'est-ce que t'en dis, Emmanuel, si on respecte les 2 heures de live? Ben, on va le faire. Allez, salut! Allez, on va faire 2 heures pile. Franchement, on a bien décortiqué. Je suis assez content, mine de rien, sur Pocono. On a vu vraiment l'essentiel. Avant de faire vos pronostics, les amis, et de nous quitter sur cette bonne soirée, petit récap de Richmond pour nous remettre un peu en situation. Donc, 400 miles. Donc, on va faire 400 tours, puisque bien sûr, c'est un mile le tour. Ouais, tout à fait. Josh Berry avait fait deuxième dans la 9 et il était parti 30e. Hein, donc pourquoi pas. Harvick qui avait fait top 5 après une très bonne course. Byron avait remporté le stage 1 après plusieurs batailles avec Larson. Donc en fait, il y avait un peu dans cette physionomie de course. Déjà, je vais pas la remettre, je vais pas remettre les highlights pour être allé plus vite, mais globalement, ouais, il y avait vraiment un duel entre Larson et Byron, un duel très intelligent, ça roulait très propre Ah, entre c'est les deux. équipier, donc ouais. Bien entendu. Hamlin avait remporté le stage 2. Donc, en fait, les deux grosses menaces. Après, vous ferez vos pronostics sur ce que je viens d'évoquer. À partir de ce que je viens d'évoquer, si vous le souhaitez ou ne pas en tenir compte, bien évidemment, c'est libre. Hein, totalement libre. Joe Gibbs Racing, du coup, avait fait sur le stage 2. Donc, Hamlin remporte. Bell avait fait 2 Truex 4 et Gibbs 10. Bowman avait fait la pole aux côtés de Kyle Busch. Kyle Busch a fini 8e.
Donc c'était une promenade un peu de santé hein, pour le pilote Hendrick de ce que j'ai noté, avec des beaux dépassements complétés à l'extérieur par Larson notamment, donc toujours avec son expertise des extérieurs sur short track, si on peut le considérer d'un short track. Ensuite, Byron se fait toucher par Bell sur la fin et qui a ruiné ses chances, donc se fait éliminer avec un 4-wide, donc c'est une piste assez large, hein, bien évidemment, il y a possibilité de faire des 4-wide. Bell finit quatrième, donc Joe Gibbs Racing, Bell quand même, il était très très bon sur la course, la dernière course. Chastain finit troisième, est-ce qu'il va falloir compter avec lui? Donc pour résumer, Joe Gibbs Racing, Hendrick Motorsport, très dominante sur ce tracé déjà sur la précédente course. Et bien sûr, ce constat et cette victoire de Larson, puisque c'est Larson qui la remporte, si je ne dis pas de bêtises. On va revoir, hein, mais globalement, on va retourner là. C'était pas ici, c'était là. C'était là. Richmond Toyota Runner 400. Voilà, Race Results, on va se refaire. Mais voilà, Kyle Larson, Josh Berry, Roche Chastain, Christopher Bell, Kevin Harvick, Mike Dowell, intéressant, Joey Logano, Newman, etc. Donc, dans les commentaires, surtout, avant de se quitter, dites-moi ce que vous en pensez. Qui vous verriez bien gagner ce week-end? Tout simplement. Manu, pour commencer. Byron qui va nous en remettre une. Ouais. Je pense qu'il est vraiment dans le momentum. Il a c'est sa saison à lui, là. Je pense que... Tu vois, il me fait mentir. C'est la première fois que je vois un pilote qui vraiment, avec du temps, performe. Parce que souvent, on dit que dans les top teams, t'as pas le temps d'attendre. Dans un top team, c'est t'es bon ou t'es viré. Ben écoute, Byron, oui, effectivement, je me suis trompé sur lui. Le temps l'a fait devenir très bon. Ouais, là, il confirme un peu. Hein, cette bon, j'espère que ça sera aussi le cas pour Ty Gibbs dans pas longtemps, dans un an ou deux. Mais effectivement, Byron, oui, il avait vraiment besoin d'avancer. Mais... Et il alors, Jimmy nous dit donc Toyota qui continue sur leur lancée, pas spécialement un pilote en particulier, complètement con, qui dit Hamlin aussi, nous en mettre une d'affilée. Comme on vient de le dire, il a moins. Puis en plus, il est bon à Richmond d'ailleurs aussi. Donc ouais, c'est vrai ouais, que. Ouais. Mais je crois qu'il a gagné. Franchement, Hamlin, il a gagné presque partout. Hein. De toute façon, tu vois le truc, c'est comme Jeff Gordon à une époque. Alors c'est pas avec beaucoup moins de réussite sur la durée, bien sûr. C'est pas Gordon, mais dans ses 50 victoires, il y en a un peu partout. Donc allez-y, hein, balancez dans les commentaires vos pronos hein, si vous en avez. N'hésitez pas. Je note du coup Jimmy Toyota. Bon, ok. Complètement con, Hamlin. Toi, tu t'as dit qui déjà, Emmanuel hein? Byron. Byron. Moi, je vois Larson énervé qui gagne et qui fait le sweep cette année. Ouais. Allez, Larson. Après, j'ai hésité à le mettre, mais moi, je vois plutôt vraiment Byron parce que c'est son année. Je pense que je le vois enfin au bout dans le top 4 à la fin. Ok. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit débrief et cette combinée avec cette interview. Va mettre un peu de musique vite fait si je ne me trompe pas de bouton. Voilà, c'est parfait. Et puis, bien sûr, quels sont les prochains rendez-vous? Je sais plus dans quoi j'ai mis, c'est quelle image, est-ce que c'est celle-là? Oui, voilà. Je retrouve. Bah déjà, nous on va aller, ouais, l'IS effectivement, on va. Pour ce qui est des rendez-vous de NASCAR, bien sûr, hein, donc dimanche 30 juillet, Richmond à 21h, heure française, c'est que du 3, là c'est simple, ce week-end c'est du 3h, heure locale pour tout. Samedi 29 juillet, deux courses en même temps aux États-Unis. Parce qu'elles sont pas au même endroit. L'Xfinity Power Road America et Richmond pour la Truck Series. Voilà pour ça. Il y a également la F1 Academy avec Lola Lovinfos, pilote normande. Les Rouennaises qui plus est d'ailleurs. Ouais, donc big up à Rouen. J'espère que sur l'épreuve franco-française du Castellet, elle va faire un bon résultat, on l'espère. On lui souhaite, et puis surtout que ce plateau, voilà, je crois qu'il y a 18 femmes engagées en F1 Academy.
pour vous hein, qui nous écoutez, en fait, cette série a remplacé la W Series qui a coulé. Donc c'est pareil, hein, ce sont toujours des Formule 4 de chez Tatum, là. Donc 180 chevaux, ouais, c'est des vrais F4 en fait, avec le halo et tout pareil, hein, c'est vraiment on dans les FIA. Bon, écoute, pourquoi pas, je reste persuadé que c'est pas forcément très bien de faire des séries femmes, parce qu'au bout du compte, ça les cloisonne. La W Series a échoué parce que justement, elle a coulé à cause de ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de débouché. Donc, j'en souhaite encore une fois, mais quand tu vois que malgré tout Bah, ça, on a tu verrais ils ont plus, mis. faudrait plus les intégrer dans des vrais Là, championnats. regarde, aujourd'hui, il y a une femme en monoplace, c'est Sophia Flörsch, qui est en F3 et qui fait pas des miracles. Clairement, elle est loin de là d'ailleurs. En NASCAR, ça reste tanké en truck, et puis. Non, je suis pas pour moi tout ça. Après, tant mieux, ça permet de lui donner D'ailleurs, il n'y a un pas volant. de série féminine en NASCAR, d'ailleurs, à noter. Non, parce que, de toute façon, ouais, je vois mal les Américains le faire, mais c'est vrai que. Tu vois, aujourd'hui, on a souvent mis plein la tronche à Danica Patrick, mais à ce jour, elle reste la meilleure femme pilote du monde aujourd'hui. En termes de Ouais. palmarès, en termes de présence, de longévité. Parce que Danica Patrick, c'est quand même une victoire en IndyCar, une pole en Cup et 5 ans de Cup Series. C'est quand même quelqu'un Au plus haut qui, niveau, ouais. au plus haut niveau, qui a duré 10 ans au plus haut niveau et qui, Sachant pour l'instant, n'est pas prête de. que je mets une remarque pour tout le monde avec, sur Danica Patrick en plus. Faut savoir que c'est une pilote qui, à la base, n'avait pas d'expérience en stock car racing, Non. contrairement aux autres pilotes de la série habituellement. Ça, c'est un premier élément. Donc, elle vient avec le même bagage qu'un Patrick Carpentier, qu'un Tagliani, qu'un Tout à Villeneuve, fait. etc. en NASCAR. Aucun de ces pilotes, à part Elmendinger, mais parce qu'il a poncé le sujet tellement fort que maintenant il arrive à performer, mais il était dans le même panier que tout le monde, c'est-à-dire des pilotes qui ne savaient performer que sur routier. Personne n'a jamais été bon en ovale, sauf Elmendinger maintenant qui arrive un peu à se débrouiller, mais voilà. Mais en gros, Danica Patrick, pourquoi elle serait exclue de ça? Pourquoi elle aurait dû performer mieux que les autres? Elle a été dans le même train que ses pilotes de monoplace. Son Donc groupe. là aussi, ça légitimise encore plus sa place. C'est-à-dire Ah oui, qu'elle a mais fait quand même Danica, des prouesses incroyables. elle a fait quelques perfs. Elle a passé 2 années compliquées à la fin. Mais au début, 2013, 14, 15, elle a quand même été pas mal. Faut dire, c'est pas. Bon, voilà. Mais tu vois, aujourd'hui, on se rend compte du step, du Pardon gap pour le son. énorme que tu as, du gap énorme que tu as là aujourd'hui entre Danica Patrick et puis. Et ne serait-ce que Nathalie Decker, que Ellie Deegan, et même en monoplace. Aujourd'hui, entre Danica Patrick et Sophia Florch, il y a un monde. Il y a un monde. C'est énorme. En tout cas, nous, on va se retrouver aussi, hein, bien évidemment, je serai au micro pour commenter la course d'IS du Michigan. Tout à fait, on y Ouais. sera. Le 4 août, donc c'est Ça va être à semaine prochaine. 21h. Ouais, écoute, on sera prêt, je pense. La voiture progresse bien. On a compris comment elle marchait depuis quelques courses. Donc déjà, c'est un gros pas en avant. Ouais. Et ouais, notre voiture marche bien aujourd'hui. On commence à bien s'en sortir et à faire des résultats. Ouais, c'était du gros boulot quand même, hein. Enfin, faut le dire, hein, c'est pas. Il y a encore un an, que ce soit moi ou mes deux équipiers, on n'avait jamais roulé sur ovale. Ouais. Hein. En tout cas, bah, les amis, ça touche à sa fin. On est 2h02 de live et on va se quitter là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Sur le prochain, est-ce qu'on gardera le même format ou est-ce qu'on parlera un peu plus des séries régionales? Je ne sais pas parce que on a envie de consacrer un peu revenir sur la Cup Series. Et peut-être que je ferai des lives très ponctuels, genre une demi-heure pour faire un peu des séries régionales. Ça peut être marrant. Juste parler des séries régionales ou de light model ou de super late comme on avait l'habitude de faire.
Mais aussi, Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez aussi dans le chat? Je vous balance un truc. Est-ce que, vu que là, c'est les vacances, est-ce que ça vous intéresse pas de faire des débriefs plus à chaud? C'est-à-dire, oui, soit moi, le soir même de la course, soit le lendemain, le lundi. Ah, le lendemain, oui. Le lundi, il n'y a pas de souci. J'ai pas de... Parce que le... Parce que là, la semaine prochaine, tu vas préparer la course IS. Ouais, et puis je vais faire la... Je pense que je vais faire la Nice, la NASCAR iRacing Series, le jeudi. Mmh. En fait, c'est la... Pour ceux qui connaissent pas, en fait, la Nice, c'est la... c'est du 50%. Mais c'est du iRacing. C'est qu'en fait, c'est sous bannière iRacing. Donc, du coup, avec... les ratings et tout ça, et comme c'est du 50%, bah, ça prépare très bien à l'IS qui fait du 100% derrière. Je pense que je vais la faire avec mes équipes, et donc après voilà, mais là c'est vraiment, il y a tout le monde, hein, c'est iRacing, donc pilote de tous horizons qui se pointent là-dedans, et donc je pense que je vais la... c'est comme c'est à 21h jeudi soir, je serai pas là. Ok. Non, bah, on va regarder ça, hein, les gars. Je vous tiens informé sur l'heure ou la date. En tout cas, bah, ça va aller très vite, hein, puisqu'on va tous assister à la course de Richmond et puis on la débriefera dans la foulée si j'ai de la dispo, en tout cas. Débrief rapide ou quoi. Ou, et puis, je regarderai sur les prochaines interviews. Je vous tiendrai informé de ce qu'on fait. Il y a plusieurs demandes qui sont parties. On verra ce que ça donne. Merci encore à vous de votre fidélité. Et puis, je vous dis une très bonne nuit et puis à bientôt. Allez, bonne nuit, enfants. Merci à tous. Allez, à très bientôt, les gars.